Il dans les micros pour faire un test de son. Ouais, ouais. ouais. ceci est un test son bien relou. Bonjour à tous. Bonjour. Hello, le chat. Bonjour. Bonsoir, bonsoir Snoofy. Bonsoir, bonsoir, General Crime. Et bienvenue dans ce stream incroyable dont on va parler. Alors, alors d'un film euh, en deux versions. Ouais. À ce qui paraît, il y en a une qui change tout. C'est ce qu'on va essayer de déterminer aussi aujourd'hui. C'est mais... le mythe, ça. C'est la légende. Ça, à mon avis, je, je veux pas être trop méchant, mais je pense que c'est un peu du foutage de gueule. Euh, <laughs> alors attendez, là, je vais oublier aussi d'enlever, euh, euh, ce petit truc bleu qui était en haut. Hop, voilà. Mer Donc on là, on SMR. est prêt. Hop. Donc ça, c'est bon. Voilà, il faut juste que je remette. Le display capture. C'est bon. Euh, donc on va on va on va pouvoir essayer de déterminer justement si ce, ce film euh, culte des années 2000 euh, est un euh, véritable film nul ou peut-être qu'on peut le sauver et eh ben je ne sais pas on, on verra ça l'impression que ça va être euh, il <laughs> faut des avis mais bon je vais pas me va spoiler. spoiler mais voilà on va, on va voilà. être sympa voilà <laughs> on va être sympa on va essayer de tout garder. Euh, allez c'est parti je lance émission Bienvenue à tous en shitlist le podcast qui vous parle que du pire du cinéma, pire adaptation de comics, pire, pire film de super héros. Comment Daredevil sorti en 2003 a pu autant être conspué par les spectateurs et les critiques à l'époque alors que le pire... Était à venir. Malgré le temps, le film ne semble toujours pas avoir trouvé son public, malheureusement, à part les fans, euh, je dirais, de cette version longue dont on parlera dans, dans l'émission. Je suis Luc Léoné qui est aujourd'hui pour déterminer avec moi si oui ou non Daredevil de Mark Steven Johnson. Alors je vais le dire en deux fois, hein. je vais dire soit Daredevil, soit Daredevil. Je, je, ce sera au gré du temps, je vais dire. Je plus mais. Euh... Mais il y a <laughs> trois versions que je pourrais dire, effectivement. <laughs> voilà, Mérite de la cheatlist, je suis accompagné de Emmanuel Pedon du podcast Le Quap Up. Salut Manu. Oui, bonsoir à tous. Bonjour Vesper de la Team Shitlist, salut Vesper Salut euh, Vesper, notre chose, tu veux dire. Euh, Vesper, notre chose, effectivement. <laughs> Et Mathieu Bontemps du podcast Peggy18, bonsoir Mathieu. Bonsoir. Alors, juste une question, parce que je ne vais pas vous demander euh, quelle est votre relation au, au cinéma de Mark Steven Johnson. Hein <laughs> je pense que c'est... à part Ghost Rider, si vous avez vu Ghost Rider, vous pourriez dire... Mais ah oui, ah bah, ah oui oui, ah bah. réalisateur un peu, euh, voilà, un peu, bon, euh, voilà, il a essayé, il a essayé, voilà, on pourrait dire ça. Euh, Daredevil, alors c'est ça, non <laughs> c est, c est, bon. déjà ouais, c'est Daredevil, euh, qui est ce personnage, Manu bah écoute, en réalité, si tu regardes le film ou euh, la série télé que je conseillerais plutôt que le film, euh, ouais. le résumé est assez euh, assez simpliste. Hein, c'est pas un personnage très compliqué. Même s'il a certaines particularités, alors c'est euh, en effet Matt Murdock, euh, avocat le jour, euh, justicier la nuit. Oui. Ou l'univers, ou éventuellement. Hein, Peut-être qu'il y a des cours de nuit, on ne sait pas. Et euh, fervent <laughs> catholique, chose qu'on voit un petit peu moins dans le film, mais euh, qui a été créé par Stan Lee et Bill Everett en 1964, donc au tout début de Marvel Comics, puisque ça doit être 63, les débuts de Marvel Comics, qui reprend euh, des qui reprend à partir d'autres éditeurs d'avant, mais euh, les débuts officiels de Marvel c'est là. Et euh, comme je le disais, bah, il a cette particularité d'être une sorte de Batman de Marvel, mais avec euh, cette spécificité d'être ultra-catholique, ce qui est le mmh. cas de peu de personnages de comics. Au final, on est aux États-Unis, donc il y en a beaucoup qui ont... Euh, qui ont la foi, ou qui, 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 euh, voilà, qui croient en Dieu d'une certaine façon euh, assez minimale peut-être. Mais lui est très catholique et c'est ce qui va jouer euh, beaucoup dans ses conflits intérieurs et dans l'imagerie dans qu'il va utiliser et dans le nom euh, qu'il mmh. va utiliser d'ailleurs. Ce qui ne se retrouve pas forcément euh, dans, dans le film, puisque je crois que c'est un surnom de son père à la base, euh, le diable, et que, alors que l'imagerie catholique est utilisée. Mais, euh, mais cette partie de lui euh, l'est très peu. Euh, et bah, comme, euh, comme on le voit un peu dans le film, euh, c'est un personnage qui, euh, est, qui a soif de justice. Qui est alors les super-héros de l'époque, c'est soit un accident nucléaire, une araignée radioactive, euh, des rayons gamma, des choses comme ça. Là, c'est des produits chimiques qui se prend dans les yeux, euh, alors qu'il essaye de sauver quelqu'un et qui font qu'il va perdre la vue, mais développer le reste de ses sens et développer un sens radar qui fait qu il a globalement, il voit plutôt mieux que la plupart oui, des gens au final. C'est ça. Et euh, du coup qui va vouloir venger son père dans un premier temps, donc euh, comme je le disais un peu à la Batman, alors déjà une autre particularité c'est qu'il est fils de père unique, on découvre sa mère plus tard dans les comics, mais il est élevé par un père seul, ce qui est euh, je le pense totalement inédit dans les comics mmh. en fait, j'ai même pas d'autres exemples en tête, et euh, éventuellement Miles Morales plus tard pour d'autres raisons, et... Euh, et son père se fait tuer parce qu'il ne veut pas truquer un match, euh, un match, de boxe à un moment. Et euh, du coup, il va, il va train, s'entraîner à la fois euh, d'un point de vue légal avec ses études et d'un point de vue physique en s'entraînant notamment avec Stick, qui est un personnage qu'on voit dans la série télé David, mais pas là, et, euh, et devenir un expert en arts martiaux, revenir à Hell's Kitchen, donc à New York, éclater les mecs qui ont, enfin le gang qui est à l'origine de la mort de mmh. son père. Et suite à ça, bah, se découvrir une arme de justici... une, une âme de justicier, euh, se sortir son costume et du coup l'imagerie du diable et aller, euh, aller taper sur ceux qui, ne euh, qui peut pas punir euh, via, oui, via, la... via la, loi, quoi, en fait, en gros. Quoi. Ça marche, merci Manu. Euh, on a une Et question... Euh, fait un important, il ne tue pas normalement. <laughs> ce ah. montre en début de film. Ah merde, euh, ah, ah oui. Ce qu'il ne fait pas pendant le reste du film, normalement, Deredeville, un peu comme Batman, il tue pas quoi. Oui, 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 mais chacun son. C'est catholique. Son... Voilà, mais lui, euh, lui non. Il, euh, il... Est D'ailleurs, est-ce que comme dans le film, est-ce qu'il laisse une marque euh, avec de l'essence pour dire que <laughs> c'est lui pas du tout, comme dans... Plusieurs... Ah d'accord, ah oui, ok, 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 c'est nouveau ça aussi, non, le début du film c'est vraiment peu à part ah, réinvoquer oui. une imagerie un peu des années 80 et du coup de la période de Frank Miller, parce c'est Frank Miller, on en a déjà oui. parlé, qui a beaucoup développé l'art des villes années 80, ça n'a aucun sens. <laughs> ça n'a aucun sens. Ça nous fait plaisir de le savoir. On a euh... un peu complémentaire du podcast de Sin City d'ailleurs ce soir. Au oui, ouais. a, oui, dans euh, oui. sur le Millerverse oui, en oui. bah, On le, le Millerverse effectivement. On en a un autre à venir. Au ah coup. oui, c'est vrai que oui. oui, oui, oui on, a, on a 300 ah, aussi oui, oui, bientôt qui va passer Alors, au grill. Oui. Ça, va sympa, ça, ça va être sympa, ah, ça aussi. Ça va être cool. Hein. Ah, 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 Attain, je vais commencer à devenir chauve et porter un chapeau, moi aussi. Vous allez voir. Il y a de Chip qui demande si c'est un poster de Colin Farrell Qui jette des cartes. Est-ce que tu... Non, elle va nous dire qu'il y en a un, Ah, non, non. Ah, merde, putain que Si j'en avais acheté un, je pense que j'aurais pu... Alors, techniquement... Alors, elle fait J'ai pas mais... <laughs> J'ai les sailles d'Electra. <laughs> okay. T'as les quoi T'as les quoi d'Electra Les sailles. Les sailles. Les tridents, c'est des sailles. Ah Oh, putain Ah, oui mais Ah Ça, à la limite, pour... ça va. C'était pour un faire poster, un cosplay ouais. de Hank Tsunamun de la movie 2. <laughs> je, valide, je valide. Donc les sailles n'ont été pas en doré, mais c'est les sailles officielles d'Electra. Ils sont à côté de moi, enfin rangés, Et donc je n'irai pas les chercher. Toujours pas, en mais... en, toujours pas en or. Toujours pas en or, non, euh, ouais. Okay. Et voilà. Mais je, bah, je pense qu'à l'époque, je ne sais pas comment ils, ils ont pu me laisser rentrer dans des conventions avec, parce que le truc est vraiment pas extrêmement pointu, mais très lourd en métal. Je pense que je peux tuer quelqu'un <laughs> Vous l'entendez, Vesper est voilà, armé. Les, les slides électra existent. Bon, ok. J'ai acheté ouais. des trucs en convention avec, que, avec lesquels je peux tuer des gens, hein, c'est sûr. Ouais. J'ai des batarangs achetés en convention. Ouais, euh, moi aussi le dire C'est n'importe <laughs> quoi. Oh la vache, putain, les mecs, ils peuvent faire une guerre civile avec ça, c'est incroyable. <laughs> mais, ouais, mais maintenant ils sont un peu plus, enfin, ils font un peu plus attention. Voilà. Pour la oui, parenthèse. Oui, oui, <laughs> j'imagine, j'imagine. Allez, on va, on va pouvoir lancer la bande annonce. Daredevil, sorti en février 2003, tourné à Los Angeles en 2002, produit par Marvel, Aviarad, New Regency et la Fox, et aussi une société suisse Epsilon Motion Pictures. Bon, qui ressemble plus à du, de, de l'argent un peu euh, sale, avec un budget de 78 millions de dollars, adaptation du comics de Marvel créé par Stanley et Bill Everett en 64, script écrit avec au moins 4 personnes, dont Frank Miller, et réalisé par le futur réal de Ghost Rider, Mark Steven Johnson, aidé à la photo par le chef hop, attention pas n'importe lequel, du premier Fast and Furious, Erickson yeah. Gore. Mart Matt Murdock, joué par Ben Affleck, est avocat le jour et la nuit. Il combat le crime sous le nom de Daredevil, le justicier aveugle surnommé le démon de Hell's Kitchen. Il exerce sa propre justice dans le quartier, allant jusqu'à tuer ceux qui ont été acquittés à tort. Donc déjà, c'est un non-sens, merci à vous. Il se lie d'amitié avec un religieux, seul au courant de son secret, et à qui il confie souvent les péchés que son sens de la justice lui fait commettre. Voilà, on va commencer avec toi Mathieu, Mathieu, Daredevil. Euh, 20 ans après, qu'est-ce que ça donne ça pique les amis. Ah ouais, ouais, ouais. euh... C'est <laughs> euh, J'ai sorti mon director's cut que j'avais jamais vu. Alors j'avais vu le film au cinéma. C'était déjà pas, pas ouf. J'avais pas un méga souvenir du film. J'avais dû le revoir entre temps et j'ai toujours pas trouvé ça ouf. Et du coup t'as acheté dit, la director's cut. Ah, on m'a dit director's cut, tu vas voir. Ça le paradoxe. Ah, ouais. C'est ouf. C'est carrément dingue. C'est comme le Seigneur des Anneaux. Ça va te transcender. Non, mais... <laughs> euh, et, euh, et en, en fait, je, déjà, le, le truc n'a euh, sincèrement, je trouve que le film n'a ni queue ni tête. C'est-à-dire que euh, <laughs> je, déjà, c'est vraiment laid. C'est kitsch, mais, mais à fond visuellement. il enfin, y a plein de trucs qui vont vraiment pas. Mais surtout, le film, va, je, je trouve qu'il raconte strictement rien. Il y a des moments où je me demandais véritablement ce que les gens font. Oui, et qu'est-ce qu'il foutent là À quel moment ils se retrouvent ensemble Pourquoi lui il fait ça Je veux dire, il y a le, quand même le, le, le Kaïd, il bouge pas son cul de devant la fenêtre. Dans <laughs> tout le film, il est devant la fenêtre, il regarde la ville, et puis en plus il est présenté avec une grosse musique de rap et tout. Enfin, vraiment, la, la présentation des personnages et les, et les cataclysmes. Je parle même pas de Bull, Bull Eyes. Euh, <laughs> avec Colin Farrell qui est euh, un chacun, familiar, sa, chacun sa prononciation, Manu. On fait comme on, fait quand on euh, veut. Euh... Ouais, vous... en plus je me rappelais non, même plus un que un je me, me rappelais plus du nom euh, le, le, le tireur je sais plus comment il s'appelle le... moi je l'appellerais le tireur fou la, la le tireur le, fou le tireur <laughs> la, la cacahuète le, le cacahuète, ah, <laughs> ouais. cacahuète ah ouais incroyable <laughs> ça la cacahuète ah oui le coup de la cacahuète c'est juste ah. incroyable ouais, et tu et peux la raconter la cette scène pour ceux qui n'ont pas tapé le film parce ah mais c'est je ne me rappelais plus et c'est grandiose c'est à dire qu'à un moment donné il est assis dans un avion et donc il y a une vieille dame à côté de lui parle, qui parle qui parle qui parle qui parle qui parle tout le temps euh, et au bout d'un moment il en a tellement marre qu'il prend il est en train d'ouvrir un paquet de cacahuètes et donc il, il fait rebondir la cacahuète sur un morceau sur un bout de siège et ça lui arrive dans la bouche elle meurt à, à cause de la cacahuète ah, ça c'est incroyable euh, voilà. la meilleure scène je de me mort. Rappelais de cette scène mais vraiment <laughs> parfaitement mais je me rappelais juste pas qu'elle était raciste donc j'ai fait ah oh, bon ça va alors elle méritait, <laughs> mais, euh... elle méritait un peu voilà mais et puis enfin toutes les scènes avec lui, dire, la scène de d'action en, en moto euh, n'a aucun sens. Enfin euh, il y, y, y a vraiment plein, mais vraiment moi ce qui m'a plus perturbé, c'est qu'à un moment donné je dis mais en fait qu'est-ce qu'il fout là, qu'est-ce euh, qui qu qu se passe en fait, pourquoi lui, euh, pourquoi est-ce qu'on a on a l'impression qu'il est en train de découvrir qu'il est un, un super héros alors qu'en fait il a l'air d'être quand même bien installé. Et donc c'est est-ce que c'est une, une origine story mais, mais qu'on n'a pas forcément bien compris. Genre t'as quand même la scène d'introduction avec le, où il est gamin. Euh, donc, où il se prend le truc dans les yeux, où euh, tu as l'impression que de, en 5 minutes, tu Ah ouais, j'arrive à faire du jab et, euh, et, et il fait le jab comme le meilleur des rookies au bout de 3 minutes, donc il apprend ses pouvoirs, vraiment, il fait, des, il fait le poirier au bord, euh, au bord au, sur, sur le bord d'un toit, etc. Donc vraiment, le, la mise en place du personnage n'a vraiment aucun sens. Et quand on découvre euh, en plus donc le, notre personnage principal qui d'un seul coup met son costume pour venger euh, après une, une, une séquence de, de tribunal complètement voilà, hasardeuse. Euh, là on le voit se déguiser pour la première fois Il fait ses petites cabrioles avec, ses, avec ses, son, son bâton On le voit mettre son truc de cuir Il saute, il fait des saltos arrière Dans la, dans la pénombre il fait, il fait le malin Et au lieu de faire discrètement euh, le, son, son boulot Il rentre dans un café avec du gros métal Il défonce tout le monde Ensuite le mec se barre Il, il, il le tue avec un métro Enfin ce... Il y a et oh, vraiment tout vrai. le... Ah, c'est propre, mais je veux dire, il y a quand même une scène d'action illisible où il tabassent tout le monde alors que les mecs n'ont rien demandé. Enfin, tu vois, c'est quand même assez incroyable. Et le film est tout le temps comme ça c'est-à-dire que les scènes tombent un peu comme ça, sans euh, rapport les unes ouais. avec les autres, et vraiment, les persos se rejoignent et tu te demandes comment ça se fait. C'est énormément. Là, comment... déjà rajoute un petit peu de transition oui. thématique et de trucs comme ça. Et la version ciné, c'était bien. La succession. La version ciné, c'est hardcore. Hein. C'est de la succession de scènes d'exposition, en fait. Il hein, n'y a, ouais. euh, a pas de mise en scène, c'est toujours les mêmes cadrages, c'est toujours les mêmes caméras, je pose ma caméra, je fais la règle de 180, bim, bim, voilà quoi. Enfin, ah non, puis il y a des, genre, la, la, la scène de rencontre avec Elektra, euh, où il la, il la voit venir alors qu'elle n'est pas là. Euh, dirais, à un moment donné, il la voit venir et il dit « Oh là là, il ouais. se passe un truc, il se retourne, il cherche partout, qu'est-ce qui se passe ?» Sens, et sens tout. de la baisse, quoi. Du, du parfum, tout <laughs> ça... Ouais. Euh... Ah, la, voilà, et la, et euh, sa, ouais. la La représentation ah, il a de sang, sa vision. Ah aucun ouais, sens. Le, le chacal ultime, quoi. Le chacal original. Ah le ouais. ouais. mec, il l'a repéré, euh, mais... il l'a repéré, mais à des kilomètres. Et c'est pareil, plus, sa vision. En plus, elle il est... la harcèle, quoi. C'est ça qui oui, est. Oui, oui, oui. c'est plus, la harcèle. Et sa vision est hyper aléatoire, il y a des moments où il est gêné par le bruit, mais pas tout le temps, c'est-à-dire que oui. euh, des moments ça le gêne vraiment beaucoup, il y a beaucoup de bruit, il peut rien faire, il fait « Ah, c'est pas possible !» Et la scène juste d'après, il y a du bruit partout, mais il arrive quand même à se repérer, il arrive à voir en détail les mouches qui volent, les trucs euh, au bord de la route, il n'y a pas de problème, et… Et après je vais, je, vais, je vais faire tourner la parole parce que voilà, mais il y a aussi une séquence qui m'a fait halluciner, c'est-à-dire que le mec est un justicier. Euh, à la Batman, on le voit jamais rien faire du tout, c'est-à-dire qu'on le voit jamais aller sauver mmh. quelqu'un. À aucun euh... moment il sort de chez lui. Il y a même une scène du titanement où dis, il dit oh putain il en a marre où il est prêt à se coucher dans son dans, dans son, son plus marre cercueil et il entend une femme appeler au secours et il fait euh, oh", oh oh fait chier et puis après, <laughs> il se <laughs> il ferme son cercueil. C'est ce quand soir, même le... la flemme. <laughs> le... pas, pas ce soir. Ce soir, je suis fatigué. Ah, J'ai un peu trop mangé. Ah, ouais. Et donc la pauvre, l'entends, ah, elle est en train de se faire étriper dans la rue. lui en mode, oh putain, Balek quoi. Ce soir, tu sens le sens des priorités. C'est des... vraiment son sens de la justice et son sens de faut que j'aille dormir. Tu vois. Et c'est le, le pire tue. vigilante. Tu vois, ouais. demain je me lève tôt. Euh, <laughs> J'ai une ah, grosse ouais. affaire. Donc il vaut mieux que je me repose. Et puis, ouais, Ben Affleck, aussi, quand même. Euh, ben Affleck, en mode euh, louche. Il est très louche. Euh, ben Affleck, dedans, euh, dès qu'il enlève ses lunettes, c'est une catastrophe. Euh, il joue... C'est peut-être son pire rôle, pourtant, il en a fait. Ah, oui, euh, oui. Vraiment, en début de carrière, post-Armageddon, il, a... il a quand même enchaîné... Mais même les films avec sa meuf, hein, de l'époque, avec Jennifer Lopez. Hein. Ah, ouais, ouais, ouais. Là, oui, oui, pas, hein, euh, et, et là, je le trouve ridi ridicule. Ouais. Ridicule de... De boutons. Oui, il se bat vraiment avec euh, Colin Farrell pour être, savoir qui sera le plus mauvais dans le, dans le film. Au moins, Colin Farrell, tu vois qu'il est là en mode balek, je vais niquer le film, je m'en fous, quoi. je fais n'importe non. quoi. Non, là, non vous n'avez vous pas compris de... vous avez pas compris le, la méta du jeu d'acteur de, de Colin Farrell. Je, je vous l'explique. Ah c'est chaud. Mais, Alors... mais ouais, c'était pénible et vraiment les 2h20 où, soi-disant, ça rajoute des trucs, ça rajoute uniquement une scène de tribunal ridicule avec Coolio. Euh, vraiment, c'est de la scène de comédie complètement naze et qui montre un, encore à quel point aussi le, le collègue de Matt Murdock est juste le pire avocat du monde. Euh, c'est oui. vraiment des persos qui sont pas écrits. Il y a un gros gros problème d'écriture. Ah, ils ont été beau. quatre, je pense qu'ils n'ont pas pris les meilleurs. Donc ils auraient dû en prendre un bon. Voilà. Je non, non, mais c'est faire... surtout en fait, tu veux, s'il y a eu quatre personnes, alors c'est quatre personnes créditées. Hein. Oui. Donc, ça ne veut pas dire le nombre total, mais c'est qu'en fait, il eu, enfin, il y a eu tout un couloir de projets qui ont été. Euh... Amorcer, et puis abandonner, tout ça, parce que bon, il y, y, y a toute une historique en fait avec euh, avec la prod de, de Daredevil, mais je reviendrai après. Euh, en tout cas, merci Mathieu pour ton avis, mais euh, c'est vrai qu'en fait, il y a aussi un truc par rapport à Ben Affleck, c'est vrai que Ben Affleck, lui, il était. C'était son époque quand même là où il était il était paumé. Lui-même le dit hein, plus tard qu'il il savait pas quoi faire en fait, lui, c'était vraiment la. Il était devenu une espèce de coqueluche, une espèce de sex-symbole, mais lui enfin, il voulait pas devenir ça, il, il savait pas quoi faire de sa carrière, il était paumé, euh, il y avait à côté, il y avait sa meuf qui avait un molon pas possible et qui lui le mettait dans des projets dont bah, il disait oui mais... Est-ce que c'est ce qu'il voulait vraiment Non. Enfin, voilà, il y a plein de trucs comme ça qui se passent dans sa vie, quoi. Je ne sais pas si en plus vous avez vu. Alors, il y a une couverture de, de magazine. Euh, c'était pendant sa période Gilo, justement, et c'était pas loin après Daredevil. Euh, où il est en, en, avec un petit collier de barbe en, en motard, avec un truc en cuir, avec de. <laughs> c'est incroyable il y a une photo enfin il est perdu quoi lui-même hein, il, il remet ça hein. il remet cette couverture en disant ben bah, regardez là moi je, je, c'est pas moi quoi enfin je suis complètement perdu donc là lui euh, il accepte le projet mais c'est parce qu'aussi aussi il accepte le projet parce qu'il aime bien aussi le parce que ça un... voilà il aime les comics et il aime bien le personnage de Daredevil donc il l'a accepté sans, sans trop rechigner en fait euh, à faire le film quoi ben, je reviendrai plus tard mais il s'est préparé il s'est préparé comme un fou on ah. le voit hein. après et il a louché c'est quoi cette couleur de cheveux qu'il a dans le il a une couleur de cheveux quand même assez bizarre des des fois c'est rouge comme ça, des fois ça fait brun. C'est ta télé, ta télé Mathieu, là ça m'inquiète. Appelle, appelle le service d'artiste, <laughs> là ça a chier, là mon gars. Ah putain. Non, ça... oh, il est brun normal. Non, non c'est ah ouais. ça. ça ah, mais j'ai eu des espèces de reflets ah ouais. rouges. De quelle bizarre. couleur était le costume, Mathieu <laughs> ouais, Rouge comment Rouge comment C'est <laughs> un avatar. Ouais, en fait. <laughs> voilà, je suis gouré à putain. Alors, je vais revenir quand même sur la carrière d'un grand homme. J'ai envie de vous dire, euh, Mark Steven Johnson, donc euh, réalisateur américain, Strike from euh, Minnesota. Et euh, il a grandi dans une famille de cathos euh, extrêmement à cheval sur la foi et la religion euh, judéo-chrétienne. Alors, pendant la production, euh, parce que lui, il était scénariste avant, euh, il a il a scénarisé. Alors attention, quand même, les plus grands films de, de, de notre ère, Les Grincheux. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est une comédie super populaire euh, oui. euh, aux États-Unis. Ouais. Et pendant qu'il euh, a il est donc Les Grincheux avait fonctionné aux États-Unis comme. Par possible parle pas du tout. et donc du coup c'est euh, les bronzés mais version vieux con euh, pour les américains en gros c'est un peu ça quoi ça si vous voulez et euh, mm -hmm. il, il était super il est donc on lui a proposé de faire les grinches 2 euh, en scénariste donc il a été super payé enfin payé, euh, payé à devenir riche quoi n'importe quoi quoi avec des sommes euh, un, un, impressionnantes quoi et donc il scénarise les Grincheux 2 sans trop euh, se mettre dessus Mais bon voilà il dit bon, je suis payé euh, une fortune donc j'y vais et donc du coup avec cette fortune là il va, il va pouvoir financer, écrire et réaliser son premier film. Alors, et pas des moindres, c'est un film assez incroyable. Euh, en fait, il va s'adapter du roman Une prière pour Owen euh, de John Irving. Et euh, il va accoucher de Simon Birch. Simon Birch, c'est l'histoire... Alors, ne rigolez pas. Trigger warning, s'il vous plaît. C'est l'histoire d'un enfant nain qui va se sacrifier pour la cause commune car il croit en Jésus et pense que se sacrifier fait partie de son plan. En fait en gros on va suivre l'histoire de Simon Birch qui est atteint de nanisme euh, et, qui, euh, et qui en fait est un peu bulli par tout le monde mais en même temps... En même temps, il a ses amis qui lui disent T'inquiète pas, c'est un peu un stand-by-me, un petit peu dans, dans l'idée, un stand-by-me du pauvre, mais un stand-by-me quand même. Et, euh, et euh, tout le monde parle, tu sais, y a, c en fait, il y a un narrateur, donc c'était son meilleur ami quand il était à l'école qui raconte son histoire, parce qu'on doute bien dès le, dès le début que Simon Birch n'est plus sur ce monde. Et euh, voilà, et en fait, on raconte euh, l'histoire de, de Simon Birch, et, et euh, voilà, euh, un, un gamin atteint euh, de nanisme, et, euh, et euh, voilà, qui, qui se confronte à la réalité, un peu comme Forrest Gump, ça veut dire qu'on euh, on le met comme étant un simplet. Euh, face à la dureté du monde, mais en fait, grâce à, au pouvoir de la foi et au pouvoir de la gentillesse, il va s'en sortir, euh, il va évoluer, et euh, à la fin, euh, voilà, c'est lui qui va sauver des gamins qui vont se noyer dans un bus qui tombe dans la flotte parce que, justement, grâce à son pouvoir de nain, euh, il va pouvoir passer par la fenêtre et sauver les enfants, voilà. Voilà, oui, oui. Fais-toi, cache-toi, 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 cache c'est pas bien, c'est pas mais... bien, rigole pas, putain, rigole <laughs> pas. Le pouvoir de. Non, mais. Le pouvoir du nanisme. Le de pouvoir du nanisme, je te jure. Non, que... mais t'as J'ai vu le film, j'ai vu le film. J'ai vu le film. Et je te jure que c'est vrai. Ah, je pleure. Complétiste. Mais bien sûr, ici. On platine, on platine ici. Ah, euh... Est-ce que, est que tu as un poster de Simon Birch <laughs> non, mais je voudrais bien. Parce à côté que... de celui de Sonic. Bah... <laughs> Alors, vous voulez-vous voulez vous marrer Non, Attendez, non, parce que moi, je suis... au bout d'un moment, commence à me faire chier. Alors, je vais vous juste vous montrer la, ouais, l'affiche. Je suis pas sûr que l'affiche soit vraiment. La fiche sur, je suis sur Internet. Hein. Bon, <laughs> si. Alors, bon, voilà, ça c'est, voilà, ça c'est une image du film. Je l'ai mis sur Internet. Enfin, je l'ai mis sur Twitch. Mais voilà. C'est vraiment, on en est là quoi, on en est là, on en est là, on est là, ouais. c'est euh, voilà. euh... quel... quelque chose, wow. hein, moi je vous le dis. Alors bien sûr, nos auditeurs podcastiques ne pourront pas voir cette merveille, mais, mais tapez Simon ah, ouais, Birch. Avec, avec les, les têtes dans les nuages ah, là. Ouais ouais, les têtes dans les nuages, effectivement, ouais, parce que là... Euh... Mais c'est avec le gamin de Jurassic Park, c'est avec oui. Joseph Malzano. Oui, ah oui, oui, oui. Grand, grand, grande carrière lui aussi, un super carrière. Euh, oui. Merci à lui en tout cas d'être euh, parmi nous. Mais voilà, top, Simon top. Birch, donc euh, si vous ne savez pas quoi regarder, Simon Birch, voilà, c'est mon conseil euh, fil du genre. Je pense que le film est catastrophique mais que ton résumé est encore pire. Non, ou peut-être qu'il le valorise, tu ne sais pas. Euh, alors, euh, bien sûr, euh, ici on est dans la politique De façon, des autres. Mais non, c'est nul. Euh, ici, on est dans la politique. <laughs> on est dans la politique des auteurs, hein, bien sûr. Ici, on est en Europe, on lit euh, par thématique euh, les, les grands films de nos, de nos auteurs favoris. Et, euh, et voilà, bah, il va continuer sa lancée parce que son deuxième film, ça va encore parler d'handicap puisque c'est Daredevil. Et là, on ben se concentre oui. donc sur quelqu'un ouais. atteint. la voilà, Oui, bah oui, oui toujours, ouais. toujours. Lui, là, il a sa façon quand même d'interpréter le le personnage de Daredevil et sa et sa foi et euh, la façon dont il là, dont, dont il vit dans l'église ça super peu exploité dans le film euh, parce que ça moi, reprend je... de l'imagerie des comics au final mais ça reprend pas les thématiques oui, du oui tout, ça là. ça reprend ça reprend il euh, y, y a deux y a deux fois une église quoi ouais 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 ouais, 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 ouais mais c'est quand même galère, euh... on parle quand même d'un héros qui est enfermé dans un grenier d'une église avec une back room qui ressemble un peu à Fifty Shades of Grey à l'intérieur avec ses vieux, ses vieux outils Je suis mais elle est pas été... dans l'église, euh, là-bas, Chromcy? Non. il suis... ah, est C'est oui. dans son appart? Ça, son... Dans son appart ah ouais, putain. Non, mais c'est que 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 juste monde. très mal monté, Lucas. Hein. C'est ah, vraiment non, mais... euh, le, le montage, de casse la compréhension. Je, je comprends qu'on puisse comprendre ça, en vrai. <laughs> ouais, mais non, mais moi, c'est ma lecture que j'avais du film. Moi, c'est ma lecture, mais merci au montage. Merci <laughs> au monteur. Avec sa belle euh... collection de, sa belle collection de Nunchaku. Euh... Ah ouais, ouais J'en ai toujours qu quatre au cas où. Ouais, voilà. Et en cas où s'il en perd un. il en perd un. Il en perd un, justement, ce con. Ouais, il en perd un, ce con. Euh, alors qui voit pas que c'est l'autre qui jette le bâton, j'ai halluciné ouais. aussi. Euh... Ah non, c'est toi qui as tué mon père Ça, ça n'a pas de le... sens. Le... Ça, ça n'a pas de sens. Je voulais revenir là-dessus. Ouais, ils, sont... ils, sont... ils sont tous bons <laughs> à manger du foin, donc à un moment. On, euh, on, on fera donc cette, cette, cette... on refera cette scène avec bien sûr le var de trois personnes pour dire euh, pourquoi elle a pas vu que c'était euh, c'était <laughs> qui a envoyé ça sur son père. Euh, alors le premier projet, c'est Chris Columbus hein, qui était parti pour le réaliser en 97. Donc notre chère euh, maman, j'ai raté l'avion, Harry Potter, tout ça quoi. Mais face aux difficultés financières de Marvel à l'époque, parce que fin des années 90 pour Marvel c'était pas terrible, euh, et aux différents ah, bon projets tôt. de rachat, en fait le, le projet se met en pause avec déjà la participation. Donc, Mark Steven, Steven Johnson était déjà attaché en tant que scénariste sur, sur le premier projet. Euh, C'est avec une offre d'un autre studio de New Regency qui, qui permet de relancer le projet, avec cette fois-ci les pleins pouvoirs donc, à, à Mark Steven Johnson qui va passer scénariste. Et réalisateur, enfin plein pouvoir, euh, visiblement non, il aura les problématiques parce qu'en en fait, euh, il va vite être, se prendre des stops par la prod de la Fox qui va se battre, en fait, ils vont se battre hein, concrètement pour... Euh, en fait, bah, Mark Steven Johnson avait du mal à imposer ses idées et la Fox avait leurs idées. Mais euh, et donc du coup, ils ont dû faire un système comme ça arrive souvent en fait euh, à Hollywood hein, quand, quand quand on réalise un film, c'est-à-dire que tu donnes quelque chose au producteur qui dit bon d'accord, je fais ça, mais en échange, vous me faites vous me donnez l'idée de ça. Et donc en fait concrètement, bah ce genre de truc c'est bien, ça permet de calmer les relations, mais sauf que en fait à force bah ça commence à transformer ton film en un truc euh, en fait où ça n'a plus vraiment de sens quoi et donc en fait euh, concrètement euh, bah c'est ça aussi je pense en énorme partie qui fait que le, le film est pas terrible en plus du, du fait que par Steven Johnson peut-être est un bon scénariste et encore je ne suis pas sûr en tout cas c'est un très mauvais réel. Euh, il reviendra d'ailleurs de sur, sur l'expérience de son film en, en 2023 sur euh, Yahoo oui, parce que Yahoo, c'est du journalisme aussi, il ne faut pas oublier. Euh, en, en, en disant qu'effectivement, il avait chié dans la colle en, en voulant mettre tous les éléments de l'histoire de Daredevil dans un film de 2h20 initialement, parce que c'est de la Director's cut, en mettant Electra, Kingpin, Foggy, tout ça. Et euh, il a pris dans la gueule d'ailleurs, alors ça je l'avais oublié, mais c'est vrai qu'on était déjà dans les fans de comics, ces gros rasselards, euh, puisqu'en fait, il s'était pris dans la gueule d'avoir casté Michael Clarke Duncan. Euh, de le faire jouer en fait euh, voilà Kingpin oh oui. alors qui, qui est qui est blanc en fait dans dans ouais. le comics et qui est joué par euh, l'acteur de Full Metal Jacket dans la série euh... Vincent D'Onofrio, Vincent ouais, Donofrio. Ouais, ouais, Donofrio. et donc du coup en fait euh, est ce qui est loin d'être euh, le vrai manque de respect sur le personnage c'est juste que le personnage il a aucune, euh, ouais, aucune il n'existe pas quoi alors c'est juste l'acteur est, la, est nul Enfin, moi, moi j'ai vu la ligne verte. Ouais, hein, alors, je sais pas je... si vous avez vu toute la ligne verte, mais moi j'ai vu la, oui, non, ligne verte, la ligne verte. Non, hein. mais la ligne verte c'est Kata, mais je trouve que tout le charisme du perso dans les quelques scènes où il fait des trucs, ça vient de l'acteur. Hmm. Après, je dis pas l'acteur est mais il charismatique, il mais a présen... il a une présence, tu vois. Il a, ouais. il a un truc. Son meilleur rôle, c'est Armageddon. Voilà. Oui, voilà. Bien sûr. Tu peux reprocher plein de choses au film, mais, voilà. Voilà. Non, mais non, là, je trouve que lui, quand il quand il est là et qu'il parle, tu vois, il en il en impose et pas que physiquement, quoi, je trouve. Bah justement euh, c'est euh, ça euh, moi, je trouve que ça limite la ça limite ligne verte mais oui oui bah, <laughs> la ligne verte on en parlera peut-être dans un autre podcast Manu euh, on, on ne sait pas c'est pas un jour un jour, un ouais, jour. on en parlera euh, mais euh, non non mais bah, après moi je trouve que c'est un, un mauvais acteur mais une très bonne présence en fait c'est plus ça c'est plus un sidekick c'est quelqu'un oui, qui pourrait carisme. faire un très bon sidekick ouais ou une, pr une présence au fond d'un bar des Sopranos. Mais euh, sinon, non, après, c'est pas, euh, pas, pas un acteur de fou, quoi. Euh, alors, on va passer directement à Vesper. Vesper, qu'est-ce qu'on a pensé de Daredevil euh, Eh bien, écoutez, je me suis rendu compte que je me rappelais encore du film par cœur. Ah, putain, j'en <laughs> sûr. Je ne l'ai pas revu depuis des années, et c'est dire à quel point j'ai dû le voir quand j'avais 12 ans, quand c'est sorti. Euh, donc, ouais, au final, je pensais que j'avais oublié plein de trucs, et en leur voyant, je dis non, non, ça je m'en rappelle, ça je m'en rappelle, ça je me rappelle. Voilà, la, scè la scène de la cacahuète, euh, ah, la, la, scène, la scène de cette chance la scène de la scène dans le. Cette, cette, dans le je dirais cette malédiction que t'as, parce que moi je l'ai vu plein de fois aussi, Daredevil, et ça j'avais oublié. Et j'ai trouvé ça magnifique. Ah, suis... Alors, redécouverte le, le pire, c'est que j'ai vraiment une mémoire catastrophique. Et, je, et mon mon cerveau utilise... non tu retiens, tu retiens, merde, pas, ouais. tu retiens que l'essentiel voilà, <laughs> voilà. Et que synthétique le fait que mon cerveau se venge en, en retenant vraiment exactement non il y avait un truc que j'avais oublié quand même pour être honnête c'est que je me rappelais plus qu'à l'enterrement c'était Maï immortal ah, et oui. ça ça c'est pique cinéma parce qu'on on en parle quand euh... parce qu'évidemment Daredevil aussi la grosse la grosse sensation quand c'est sorti en 2003 pour la recontextualiser la pour les plus jeunes d'entre nous euh, voilà c'était la BO et, euh, et effectivement euh, le Bring Me To Life qui était bah, du coup le premier single d'évannéance ouais. euh, était donc l'argument marketing aussi c'était de dire que euh, Bring Me To Life était dans était dans Daredevil et, et vice versa quoi les deux euh, les deux films se sont le, le film et les deux œuvres on va dire se sont se sont nourris comme ça et donc il y avait effectivement j'aime bien quand tu dis et... les deux œuvres c'est bien c'est beau c'est magnifique ah ouais, on ne juge pas de la qualité. <laughs> enfin, si, Cross-média. Mais... Cross-média. Euh... <laughs> ah, mais, mais bon, bah écoutez, euh, qui, je. Allez, qui, qui n'avait pas l'album d'Evanescence euh... Ah, tu l'avais pas, Manu Non. Mais non. Ah ouais moi je l'ai encore allé chez mes... Enfin l'album attend ah. chez mes parents euh, À côté ça, je du, vois, bon, du poster de Jessica Alba bien entendu À côté du poster de Jessica <laughs> Alba euh, J'ai bon, une image, j'ai une image son... Vesper son... J'ai une, une image de la Vesper de 14 ans Mais bah ouais ouais bah C'est ouais, pas, pas la meilleure version hein, Mais voilà il y a des... <laughs> des bouts qui restent Après j'avais Et... Bring Me Sur ma clé MP3 J'avais pas bon, l'album en, en l'occurrence Ah oui bah mais bien sûr Et et, vrai. et en plus, j'aimais beaucoup, euh, beaucoup Daredevil parce que, euh, voilà, j aimais, j aimais le délire avocat euh, qui botte des culs, moi, je trouvais ça, ça incroyable, alors que je n'ai pas lu un Daredevil, hein, j'avoue. Euh, il serait peut-être temps que je me rattrape, d'ailleurs. En tout cas, c'est vrai qu'en leur matant, juste le, le générique au tout début en braille, et tu te dis, ah oui, le mauvais goût, commence minute 1. <laughs> Ils ne oh, perdent pas ouais. un instant avec le nom des actrices qui passent en en Braille avant de repasser en. J'adore le en braille euh, sur un truc purement visuel. Je... Oui, ah, non, ouais. mais c'est bah, vraiment pour est dire. Cool. Est-ce euh, qu'ils qu ont fait des stalls et... avec impression 3D de quelqu'un avec, quelqu avec ah, ouais. euh, qui passe sa main derrière quand il. Euh... Ah, alors, oui, tu sais, les trucs chez Nature et de... Découverte, là où tu mets ta main <laughs> et ça fait un truc en 3D bon ou d'habitude les mais tu gens tu penses que enfin je sais pas mais... les malvoyants les non voyants je pense que quand ils voient ça ils se disent putain c'est intouchable en fait le film se fait déjà il ah, bah, là, avec... mais non euh, mais bon euh, ils vont le sentir films, tu vois voilà oui oui clairement oui, je, pense... je pense que ces personnes se sont dit je me sens représenté grâce à Ben Affleck donc oui, oui, je je, je on pense... a cho... et le monde a mais... changé de regard sur pour eux il y a quand même la petite scène au début où il trie ses billets selon Ouais! Bon, non, ouais mais... Pour savoir quels sont, vu que les billets aux États-Unis, ils ont tous la même taille. Ouais. Et trucs comme ça, tu vois. Il y a, des petits, euh... y a des petits détails. C'est la moitié qui n'a qu des... pas de sens parce qu'il n'est pas censé toucher les murs quand il marche. Il, il marche ouais. très bien Matt Murdock. Oui. Euh... <laughs> non, mais c'est tout trop bizarre parce que le mec, même quand il, est au... quand il est dans la ville, au milieu de gens qu'il ne connaît pas, il n'est pas obligé de faire. Enfin, il pourrait ne pas faire semblant de ne pas savoir où il est, en fait. Enfin, il n'est pas mmh. obligé. Euh... Enfin, vu qu'il, techniquement, il arrive quand même à voir avec des des, des, des aircots mais c'est vrai que tout est voilà tout, tout, tout est kitsch mais d'une force euh, on disait que le film était laid, euh, la 3d est... <laughs> il y a de la 3d à chaque scène d'action et en plus à chaque cabriole et comme il s'amuse à rajouter des cabrioles non nécessaires <laughs> à ben Affleck et après à bullseye euh, dans le film c'est superbe oh, c'est superbe c'est vraiment un comment dire un euh, un, un moment figé dans le dans le temps de, de 2003 euh, à ce moment là de se dire ouais ouais on peut on peut le faire et on, on va et le on faire. va le faire on va, on va vraiment, le faire surtout on, va, on peut on va le faire et, mais on sait pas le faire c'est ça le truc en fait quoi tout mettre en voilà on va tout mettre en 3d ouais, c'est même mais tout, tout est laid genre même les il la première fois qu'on voit Electra donc grâce effectivement au spider sense de la baisse de cher matt elle a les yeux verts mais ils lui ont fait les yeux verts numériquement, c'est hideux. On dirait on dirait une version bizarre de Dune, mais avec les yeux verts, quoi. Enfin, et surtout, on dirait pas la même trop. personne, en fait. Ils ont, ils ont vraiment <laughs> un disrespect de Jennifer Garner, quoi. Enfin, c'est ouf. Et, euh, et ouais, là, le, le moment où, en plus, en fait, je me rappelais la, la bagarre. Dans l'entrée dans café, la bagarre, mais je me rappelais plus quand même qu en fait, elle n'avait rien demandé. C'est-à-dire qu'elle est là, elle boit son café, il vient la faire chier, elle lui dit non, il la suit dans le parc. Elle essaye de lui faire deux moves euh, de Krav Maga en mode bon t'es bien mignon mais euh, j'aimerais que tu restes tranquille Genre, voilà euh, non mais pour l'arrêter la, et elle lui dit ouais c'est ça elle lui dit touche-moi pas voilà touche-moi pas tu me salis. » et euh, <laughs> personne n'a cette trêve, c'est horrible <laughs> euh, et, et après et après ils se fight mais mais mon gars mais qu à, à quel moment ah, tu... et, puis, et puis quelle scène de fight le, le la scène de fight. la scène du Superb. parc elle est dégueulasse. Elle Devant est, mais des en... petits enfants. <laughs> ah, oui. ah ouais, mais euh, avec le plan genre euh, genre jeu de baston avec le move comme oui, ça. Non, mais il euh, y, y a rien qui va. Puis elle est éclairée, elle est horrible visuellement. C'est un, elle concours, est horrible. Est un en fait, concours entre ce film et Katouane. Entre, euh, oh, entre les euh, les et euh, ah. le montage. Déjà les combats de base dans le, dans, quand ils sont sombres, c'est pas ouf parce que la plupart des coups se font hors, euh, hors écran en fait. Euh, ouais. Tu vois les réceptions, les trucs comme ça. Et euh, le montage est catastrophique. Mais quand en plus t'as la lumière du jour et ah, euh, que c'est au milieu ouais, d'un parc, c'est vraiment ouais, c'est immonde. Et... Mais je, en fait, je sais même pas est-ce que l'intention c'était vraiment de faire une une scène parodique parce que non non tu non peux non pas non, non ça au degré. oui non mais c'est ça c'est que tu non. peux pas prendre ça au premier degré. J'ai l'impression de voir une scène de Catwoman, c'est tu sais, la scène du basket. Oui, oui mais c'est ce que je dis. Ouais, est non, est pas pas et... On est vraiment raccord avec ça clairement. Euh, clairement c'est vraiment euh, c'est compliqué. Donc après évidemment, le film s'améliore car on voit Colin Farrell très bah, pas de oui. Mais oh, chauve. Oh. Mais, euh... chauve soute <laughs> ouais, Voilà, mais mes postes euh, chauve cible cible sur la tête. En vrai, je pense que c'est le seul qui s'amuse vraiment. Ouais. <laughs> Lui, il a l'air mais il sent il, il euh, voilà, il il l'accent. Il, il fait le job. Il y va. Il envoie des trombones en 3D dans la gorge d'un gars. Euh, voilà il tue la vieille avec les cacahuètes oh, il, il, problème, là, il oui. fait des petits il fait ses petits moves il, est, il il a des mimiques oui mais il a des mimiques vraiment mais, <laughs> ah, mais pour moi fait... Pour moi, c'est un TDH bah, je... autiste. Hein. Vraiment. Hein. Clairement, dans le film, c'est ça. Non, mais il a, ouais, il a des problèmes psychologiques, euh, Bullseye. Enfin, ah, ok, d'accord. Ouais. Mais, euh, mais l'interprétation du truc, euh, moi, je ne suis pas ah. très, très fan Ah, de... ouais, non, moi, j'adore. Ah. J'adore, j'adore. Franchement, je trouve la que. La scène bizarre. où il récupère les morceaux de verre. Là. Oh là là, la scène où il récupère les bouts de vitrail, là. C'est fou. C'est complètement dingue. C'est incroyable. non Mais il n'y a que des moments superbes parce qu'en vrai, tu rajoutes ça. Donc, donc l'enterrement, je me rappelais parfaitement du moment où quand même ce que donc il lui... Donc Mike Murdock explique à Elektra quand il se rapproche euh, un peu plus que il parvient à voir, euh, entre guillemets, quand il pleut. Enfin, il voit mieux parce mmh. que ça fait un espèce de, de toit euh, voilà, sur, euh, sur, euh, sur tout le monde. Enfin, la pluie fait un espèce de toit, donc il arrive à, il arrive à, à mieux percevoir comme ça. Chose qu'on voit aussi, d'ailleurs, dans la série, bon, on, quand même euh, mieux fait. Et euh... Et vraiment, le, je me rappelais du moment de, de dispute qui d'ailleurs n'a absolument aucun sens, comme on disait, à l'enterrement, et qu'il retire ses lunettes pour la voir parce qu'il commence à pleuvoir, et elle le regarde et elle met son parapluie. Mais <laughs> pour pourquoi il retire ses lunettes pour la voir euh, Oui, ouais, non, mais déjà, et elle, elle, met, elle, se met sous le parapluie pour bon, qu'il la voie, genre vraiment le <laughs> trouvé ça mais pétine. <laughs> C'était. Et vraiment, il me rappelle aussi, il y a aussi un moment, mais c'est que des petits moments qui sont superbes. C'est des, des petits moments de Nutella. Il, y a, il tue un gars de manière affreuse et après il dit I'm not the bad guy. Ah oui, oui, c'est vrai. <laughs> I'm not the bad guy. <laughs> non, mais ça, ça sert à rien, mais ça sert à le répéter. Enfin, tu peux pas, ça, ça marche pas. Le pire, c'est que. Qu il aurait pu m'avoir <laughs> au début, le, le D dé, Le DND dans le métro. Euh, dans ah le oui. sens plus tu es un violeur. Moi, bon, je suis, je suis d'accord avec lui jusque là. Tu vois, c'est après que ça. C'est après que ça, dé, ça dégénère, quoi. Donc euh, tout est tout est tout est tout est compliqué. Et ce qui ce qui me fait beaucoup rire aussi, et d'autant plus maintenant que j'ai un peu la lumière sur un peu entre guillemets le rapport au handicap du scénariste-réalisateur avec des gros guillemets. Ouais, c'est que dans le film, quand même, à chaque fois qu'il a une, une conversation avec quelqu'un, on lui rappelle qu'il est aveugle. <laughs> Toutes les 5 minutes. Il y a toujours quelqu'un qui lui dit Ah là là, Matt, si tu pouvais fait mes yeux. C'est vrai. Oh là là, Matt, si, oui, seulement, tu vrai, oh là vrai, Matt, si seulement tu pouvais voir ça. voir prêter mes yeux. Oh ouais. là là, Matt, machin. Mais enfin, le gars, il a 30 balais, on va dire. Enfin, ça fait, du coup, ans, que là, que là, il aveugle, quoi. Ouais, Ça fait une bonne vingtaine d'années que tout le monde lui rappelle qu'il est aveugle. Ça fait une bonne vingtaine d'années qu'il est aveugle quand même. Et tout le monde lui rappelle, mais toutes les 5 minutes qu'il est aveugle. Je trouve ça affreux. Vraiment, ah ouais, non, mais là. Là, vraiment, là, Electra, elle est bonne ce soir. Après, lui aussi le fait. Hein. Ouais. Arg... Son seul argument au tribunal, c'est euh, la, la justice est aveugle, mais elle n'est pas obligée d'être toujours un truc comme ça. Enfin, euh... D'ailleurs, <laughs> il, il, utilise, il utilise aussi le fait d'être aveugle pour pécho Electra euh, bien dans sûr. le café. Ah, ah, c'est vraiment là, il fait croire il fait ne après, après, ça, après rien. ça je considérerais que ouais, c'est un aussi, peu Murdoch, ouais. Murdoch style des comics. Hein. Il est capable de faire ça, euh, Matt Murdoch. Ouais, mais là, t'as. C'est un chopper, Matt Murdoch, il faut le savoir. Bah, évidemment, c'est pour ça qu'il chope Shiolk euh, le goûte. <laughs> euh... <laughs> Mais voilà, c'est vrai, vraiment des. Enfin, il y a la. Ah, si, si, si. En, en fait, c'est comme le film n'a rien à raconter, j'ai juste des, des scénettes qui me reviennent à chaque fois. À la, quand, en Colin Farrell, dans l'église, donc après le moment des, des, des vitraux qui, qui balance comme des. Enfin, des morceaux qui lancent comme des shurikens, quand il se fait tirer dans les mains, il refait Jésus parce qu'il a les deux mains. Enfin, euh, il a le trou dans les deux mains, quoi. Il a, il a vraiment les... Comment dit, les stigmates. Mm. Et, 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 et re, il retourne les, les bras comme Jésus. Ouais. Bah, c'est magnifique. C'est oh, magnifique. Cinéma. Enfin, cinéma. De est... Ouais, c'est vraiment, vraiment non, non. cinéma. Vraiment non, non, cinéma. Mais clairement. Euh, en tout cas, une, un film qui, est, pour une fois, donne aussi une bonne image des journalistes. On voit que le journaliste euh, voilà, est, un, est un good guy qui ne cherche pas absolument à faire... Euh... À faire oui, du profit avec, avec le C'est la scène où justement et... il sait l'identité de Daredevil, il est fatigué. Ben, non, ouais, et qu'il efface tout l'article, ouais, il, il, oh, il est là. là là, non. Il est. D'ailleurs, quand vous appuyez bon. sur sub sur votre ordinateur, vous ferez gaffe, ça fait un, un retour <laughs> arrière complet. Euh, <laughs> <progressif de tout rire> le. Coupe. Ouais, ouais, ça, attention, faites gaffe, hein, ça va chier. C'est lui qui trouve le double D d'ailleurs. Il fait regarder. Ouais. Ah, oui, oui. Oh là là, c'est incroyable. Le flic à côté, il est là, putain. C'est pas une légende. Mais du coup, Daredevil, et... il a sa petite flasque d'essence pour. Euh... <laughs> ah ouais, j'espère. Au moins une petite gourde. Non, mais c'est trop, 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 trop de questions. Trop de questions. Mais ouais, donc sur... la scène de la moto, euh, voilà. Pour, pour en revenir un peu aussi. Euh, de... je, je comprends pas comment on... il peut y avoir confusion. <laughs> ah oui, ah c'est Daredevil mais... <laughs> qui a tué le père. Le père d'Electra, <laughs> oui. oui. Oui, il y a tous. Ce... En fait. <laughs> le père et puis ça engage, ça engage un arc narratif complètement pourri où c'est Electra et Daredevil qui se font la gueule. Enfin. Oh, c'est ton bâton, c'est toi qui es responsable. <rire> mais <laughs> on ouais, a on pas qu'à l'amener. On a Jennifer Garner qui pique qui pique des sacs de sable euh, sur Bring Me To Life. Ah, oui. je m'en rappelle en face. C'est ridicule ça, ça, ouais. ça fait 21 ouais, ans. Sacs de sable ridicule ans, tombe, mais stylé. Ridicule mais stylé. Partout. Partout. Ouais, ouais, euh... ouais, franchement, je la trouve superbe. Je, je la trouve superbe. Donc c'est Oh putain. Et c'est vrai qu'en plus, revoir ce film euh, post-Deadpool euh, 3, parce que bon, ça va, le temps est un <laughs> petit peu euh, passé, <laughs> c'est encore mieux. C'est vraiment, tu revois ça, tu fais Ah ouais. Les années 2000. Sacré Jennifer, et tu, je, la, je la revois euh, au, au, au Comic-Con, euh, enfin là, dans le, dans le Hall h euh, pendant le panel, euh, être, euh, être applaudi par tout le monde. Je dis, bon, écoute, euh, voilà, au moins, moi, là, un petit arc de rédemption, mais. <laughs> Ouais mais c'est des miettes. Encore une dur, fois elle, elle capitalise sur des miettes la pauvre quoi enfin, ouais, C'est des miettes. Ouais. Ah ouais mais parce qu'elle a... enfin j'ai carrière, j'ai fait garardier maintenant 30 ans sinon plus... rien, 30 ans sinon rien pic cinéma. Ouais, c'est bon là, allez, oui, on en parle. Euh... 30 ans sinon rien, c'était pas l'année dernière hein, Lucas. <laughs> si. Tu en vois je, je rappelle que le en temps passe hein mais, euh, mais ouais, et donc voilà, se dire que 2003 c'est l'année où il y a Daredevil pour Ben Affleck et Jiggly, donc ça sort la même, la même année. Avec, le pire euh, et le encore le plus pire de, plus pire de, de sa carrière, ville. quoi. Vraiment le. Et c'est superbe, tu te dis quelle année. Et là cette année, qu'est-ce qu'il fait Il divorce une deuxième fois de Jennifer Lopez. Ah oh, putain. Non mais ça, ouais. le, la carrière amoureuse de Ben Affleck. Next, Jennifer Garner <laughs> 2. Oui, possible. Ouais, non, ouais. possible, 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 possible. Après, Jennifer Garner a fait. Euh, euh, est, il est resté combien de temps avec Jennifer Garner 10 ans, à peu près oh, Je sais plus, plus ouais, longtemps. 10 ans Ouais, putain. Ah non, non. Attends, Jennifer Garner aujourd'hui, bon. même qui fait des volcans un peu nordiques. Ouais, ouais, c'est ça, un petit peu, euh, Marie, ouais. effectivement. Mais, euh... mais c'est vrai voilà, en vrai, y a, y a il n'y a tellement rien à raconter. Enfin, en vrai, tout a déjà été dit sur, sur Daredevil depuis, depuis le temps. Enfin, tout le monde a instant dessus, euh, a raison. Euh, euh, voilà, au moment, au moment où c'est sorti. ouf, le, le director Scott c'est dans son. Ce mais ça, c'est mais, mais vrai, hein. il y a vraiment mais la ouais, légende du Director's Cut. De, moi, elle est, est à l'époque. Que... Alors, voilà. explique, essaie de contextualiser qu'est-ce qui s'est passé avec cette Director's Cut, uh, Vesper. Parce que toi, tu as vu la version Disney. Osé, la version tu as osé Tu as osé sur Twitter dire Je regarde Daredevil avec une petite photo. Non, mais je, en mettant, je plaisante évidemment. Et on m'a rétorqué. Voilà. <laughs> Plusieurs personnes m'ont rétorqué Tu n'as pas vu la Director's Cut. Et je me suis dit Mais qu'est-ce que. <laughs> Est-ce qui paraît, elle est vraiment meilleure et heureusement, on a deux personnes expertes parmi nous ce soir qui vont pouvoir me dire si la director Cut, mis à part Coolio au tribunal, <laughs> est vraiment meilleure. Vous pouvez répondre. Parce que maintenant vous là, faites... la vous pouvez la... répondre. S en en fait, euh, ce que il y a un peu le même effet que sur euh, BVS. Où on va dire euh, ah. la Director's Cut, c'est mieux et c'est vrai mmh. factuellement. Mais parce que ça vient combler des plots hall, en fait. Et c'est ouais. la, la même façon que tu as l'enquête de Lois Lane en fait, qui est pas du tout qui est complètement coupée de BVS, sa version ciné. Là, c'est la partie euh, tribunal et Benoît Rich qui est pas mal euh, amputée. Et euh, du coup, ça montre euh, pas une moitié de l'histoire quoi. Une partie de l'enquête et une partie en plus assez. Euh à ses caractéristiques de Daredevil, quand même, de Matt Murdock, c'est la partie judiciaire et la partie... Euh... Alors, c'est tout pourri, par contre. C'est chier Bien sûr que c'est à chier C'est ce tout, ah, bien bien tout sûr. pourri. Mais euh, ça a tendance à plus euh, contextualiser, quoi. Et c'est vrai que c'est mieux, ça reste tout pourri. Les de tribunal, de euh... et le ça serait une plus scène de tribunal dire. sérieuse, je veux dire. Sauf que là, on a vraiment une sorte de parodie avec Coulio qui dit n'importe ah, quoi, là. qui cabotine à fond. Ah non, mais on, euh, on est loin. Ça n'a strictement ouais. aucun sens et avec ça n'a vraiment rien. En, en gros, tu T'as une scène qui ça. commence avec euh, Foggy Nelson qui pose une question sur euh, pour euh, que le personnage de Coulio euh, rappelle les faits, mr Jackson. Et euh, il fait j'étais trop foncé, je me souviens plus. Et tu vois Foggy qui est perdu en mode Ok qu'est-ce que je fais quoi Mais euh, t'as pas, pas que ça euh, mais euh, notamment voilà, mais, pareil, mais John Favreau il est catastrophique hein. là avec ouais, ses, ouais. ses blagues Mais pareil, les il a rien à défendre dans les, dans les égouts C'est est comique Est-ce qu'il a est été bon pétillé. John Favreau une fois dans sa vie Je vous laisse répondre Ah dans euh, chef paraît que c'est bien mais... Dans quoi dans, mais dans Chef le film chef Chef Non ah, c'est nul Mais non c'est nul Mais non c'est nul. Mais Ouais c'est le film du dimanche soir quoi Ouais, en plus, elle est ouais non, hein, est... Et, et même sa secrétaire qui est quand même vachement mise en avant dans la bah, scène. Voilà, on parlait hein, de, euh, de Karen, euh, Karen Page. Elle, ouais. elle enfin, sert à rien du tout non plus. Il enfin, y a personne qui sert à rien en fait. C'est vraiment un, un enchaînement, comme on a dit, de présentation de personnages. Même lui, on dirait qu'il vient de découvrir ses pouvoirs, en le met en avant comme un bonnet qui d'un seul coup, euh, c'est méchant c'est pas méchant. Enfin, c'est, non non, c'est compliqué. Et la, la directeur, Scott franchement. Euh, si ça a changé quelque chose pour certains, c'est vraiment qu'ils en attendaient énormément. Je sais pas. mais Là, il y a. Ils voulaient des réponses. Ils voulaient des réponses. Ils les ont et Ils sont heureux. Non mais c'est. Et on va pas les critiquer. Le manque de nuance de. Il y a un truc qui est mieux. Du coup, c'est mieux. C'est juste mieux. Alors Après après personne disait que c'était incroyable. Quand j'ai lu les réponses, j'avais l'impression que les mecs étaient en train de dire ah, putain, c'était le parrain d'eux quoi. Non, ouais, bah, ils non, ont Ils ont qu'on quand même, non, con coup, con qu a, que, même ça... que ça avait. Enfin, oh, ouais. Ça transcendait. Oh, ouais, euh, et ça rend le film plutôt le montage, pas mal. Tu vois, tu Non, mais arrête. c'est À l'époque de... Le... de la sortie de la série télé, du coup, ça va être 2016, je crois, la première saison, un truc comme ça, il y avait du coup euh, des discours par rapport au film. Et je me souviens qu'à l'époque, il y en a qui défendaient ça en mode si c'est vraiment bien un directeur Scott. C'est la première fois que j'ai maté un directeur Scott j'ai dit bah non, c'est pas C'est non C'est non en plus, Manu, tu disais en plus, que toi, c'était pire que dans ton souvenir. D'ailleurs, le niveau du truc, quoi. Ouais, ça, bah, moi, je ne l'avais pas vu au ciné à l'époque, euh, et c'était près euh, le fait que je tombe dans les comics. Du coup, la première fois que je l'ai vu, c'était en DVD, euh, version euh, ciné, mais en DVD. Ouais, ouais. J'avais un très mauvais souvenir du truc, je l'avais redécouvert euh, après avoir lu des comics. Du coup, j'avais découvert le director Scott euh, milieu des années 2010. Euh, mais je ne me souvenais pas à quel point c'était si mauvais... Euh... Moi, je en, au revoilage, bah, j'ai eu le même avec Mathieu eu direct, c'est-à-dire le film ne veut rien dire. Notamment, alors faut voir euh, partie partie filmique, partie euh, d'art des et partie euh, adaptation de comics. Éventuellement, je trouve qu'il n'y a rien qui va. D'un point de vue d'art des bah, en effet, on ne sait pas s'il est établi, s'il n'est pas établi, il n'a pas vraiment d'arc. Non. Euh, on ressent fortement le fait qu'il y a plein de scénaristes et qu'il y a plein d'idées. Tu disais Luc tout à l'heure que le réalisateur euh, qui, est, qui est aussi scénariste euh, regrettait peut-être d'avoir voulu mettre trop de trucs, et mmh. en effet, bah, moi j'irais même pas. Euh, je pourrais cracher sur Ben Affleck ou John Favreau ou Jennifer Garner ou euh, à peu près tout, euh, toutes les actrices du, euh, du film, mais en fait, non, c'est juste qu'il n'y a rien d'écrit. Il y a des bribes, il y a des idées. Le début du film, euh, ce qui m'a perturbé, c'est qu'on sent vraiment euh, qu'il y a une influence Frank Miller, Quand, la scène du bar justement où il va éclater le mec. Alors déjà. Euh, C'est très bizarre parce que la, je ne sais plus si elle est dans la version normale, mais je pense que oui, la version avant qu'il attaque euh, le, le violeur, bah, ça parle de viol déjà, euh, ce qui n'est pas euh, courant dans les films de super-héros, euh, et ça introduit clairement euh, l'injustice sociale. Quoi. Le fait que euh, les, les, euh, bah, ceux qui peuvent s'en sortir vont s'en sortir et les autres ils sont éclatés, ce qui ne sera pas du tout développé dans le film. Mais euh, c'est là pour te montrer que ça fait partie des thématiques de Daredevil, et derrière, tu as la scène où il va attaquer le bar, qui n'a aucun sens, parce que Daredevil, il se montre pas autant, en fait, normalement euh, euh, que ça, et qui a une influence hyper années 80, on voit. Et du coup, c'est clairement une, une référence à Frank Miller. Enfin, que ce soit la, la représentation de la criminalité dans, dans le quartier, euh, et euh, au sein du bar, ou l'ambiance du bar... Euh, c'est des trucs qui sortent de l'imagerie des années 80 c'est à dire que la criminalité à New York au euh, début des années 2000 c'est pas du tout la même et la suite du film va utiliser le caïd en plus en le en le rendant noir comme tu disais Luc tout à l'heure en jouant en, sur le fait qu'il vient du Bronx cette fois, euh, ce qui n'est pas le cas du caïd, je sais plus de quel quartier il vient peut-être Brooklyn ou Le Queens, je ne sais plus mais... euh, et euh, du coup plus plus l'imagerie gangster des années 2000, on voit qu'il qu y a des différences et sur l'évolution du personnage bah ouais, on sait pas s'il est établi au début, on sait pas si... Il euh... y a tout le discours qui fait à l'enterrement du père d'Electra sur la revanche, sur la, la vengeance. Mais ça, en fait, on l'a pas vu dans le film, le moment où il se venge euh, spécifiquement. C'est jamais expliqué, explicité le fait qu'il va se venger des, euh, de, des gangsters qui, euh, qui ont mené à la mort de son père. Mmh. Euh, le fait que... Enfin, comment il développe son, son personnage... Il euh, n'y a pas vraiment d'origine story au final. C'est comme si on avait euh, un début d'origine story avec l'enfance et puis qu'on qu cutait dans un format qu'on a assez régulièrement, mais en, en revenant euh, habituellement dans le passé pour voir ce qui a pu se passer entre temps. Je vais vous raconter là, mon non. histoire. Et là, c'est pas le cas du tout. Et il n'y a tellement pas d'arc qu'à la fin, on a euh, la voix off de Matt euh, qui va parler. Euh, euh, bah de sa mission et des hommes euh, qui, euh, qui euh, sont euh, aidés par euh, les Evil Men, alors je ne sais, sais pas ce que c'est en français, mais euh, pendant que tu vois euh, euh, Bullseye se faire réparer. Et c'est marrant parce qu'il euh, y a une dissonance totale. En gros, c'est comme s'il si, était en train de dire les médecins, c'est des mauvaises personnes parce qu'ils sont en train de soigner Bullseye quand tu, quand tu superposes, enfin, euh, mmh. quand tu lis vraiment, enfin, que tu écoutes vraiment le discours par rapport aux images sur lesquelles c'est. On sent qu'il y a pas, ils savent pas où ils y vont. Et même Elektra, enfin c'est assez catastrophique, c'est un manque de respect total sur le personnage de l'avoir introduite comme ça parce qu'elle devrait arriver plus tard dans l'histoire de Daredevil, sachant qu'Electra en fait, il la retrouve quand il est Daredevil normalement en tant que tueuse pour la main, qui est une organisation, une organisation ninja. C'est pas développé dans le film ça après le spin-off justement. Dans Elektra c'est développé la main je crois un petit peu, mais c'est complètement éclaté Electra encore plus que Daredevil dans mon souvenir. Mais euh, à la base, c'est son ex de quand ils étaient au lycée, quand ils étaient à la fac. En fait, ils se connaissent en oh. tant qu'étudiants oh. à l'université. Leurs vies sont séparées. Elle, elle est, est des villes, Elle est devenue une tueuse. Du coup, il y a un historique. Et euh, le moment où elle va se faire tuer dans les comics par bullseye euh, c'est pas au bout de deux jours sur un toit à l'arrache, quoi. Il y, a, oui. il, y a une, voilà. il y a une symbolique, il y a des choses. Et du coup, là, il y a rien. Mais même dans, la dév dans le développement de la relation entre Electra et Matt, j'ai l'impression qu'il manque cinq scènes. En fait, ils ont peut-être quatre scènes ensemble, mais il en manque cinq pour que la relation elle, se développe. D'une scène à l'autre, il n'y a pas de cohérence dans où ils en sont dans leur relation. Je me demande s'il n'y a pas une scène de cul dans la version ciné, qu'il n'y a pas si par si si. Dans de sais, de Non, dans la version ciné, il y a. a c'est une espèce euh, de. Ah, ah ouais. Vous avez pas une scène de cul, vous bah Ça, non, il ah n'y a pas dans la version ciné. Ah, on a regardé la bonne version. Ah, c'est ah, la plus belle scène <laughs> de cul que j'ai jamais <laughs> vue de <laughs> ma vie, putain. Euh, Pub euh, de parfum, non, le bordel. En, en, en plus, mais c'est vrai qu'effectivement, je l'avais noté aussi. C'est, il est euh, dévasté parce qu'elle est morte. Enfin, quand à la fin, Foggy lui dit ah, est-ce que ça va aller parce que dans le dans le bar une nana rentre, et ça lui fait penser à l'arrivée de oui, oui, oui. Je dis Mais en fait, ça faisait trois jours qu'ils se connaissaient. Ouais. Je comprends. Soit trois trance, jours intenses. Trois jours intenses. Ça fait trois jours. Intense, fait trois jours, ils sont brassés une fois, ils ont ken une fois. <laughs> bon. Bah euh, nous pour je nous, même pas ils ont le... qu'un, tu vois. Ah là, la... ah bah, oh, la... oh, a du sud-droit, un moment où ils voient il fait, oh, ce qu'ils font... Leur seul date, c'est est le soir ce où c'est... T'es belle ah, <laughs> T'es ah, belle Et ouais, es oh, enfin, tu, tu te dis, mais oui, bah je pense En louchant comme ça... Ah, t'es belle mais t'as l'impression qu'il manque des scènes de dialogue, par exemple, parce que même Foggy, officiellement dans le film Foggy, c'est pas que Matt Murdock a des pouvoirs et Daredevil, mais il y a des scènes où il se comporte un peu comme s'il savait... Et à la fin quand la meuf elle rentre dans le truc, c'est juste qu'elle a un physique qui peut ressembler à Jennifer Garner, mais elle arrive de derrière et, ça, et, et Foggy il se rend compte tout de suite qu'il la prend pour... Enfin, a, et, ça lui rappelle Electra. Mais du point de vue de Foggy, normalement, il n'y a aucun sens qu'il capte qu'il y ait une meuf qui rentre dans la pièce, tu vois. enfin... Il bah non, parce manque tellement baisse. de choses. Il manque tellement de choses. n'importe quoi, le pire c'est le cade euh, Parce qu'à la rigueur, euh, si on... Si on on rentre plus sur euh, l'analyse euh, en tant que film, bah, là, tout, là non plus, il n'y a pas d'histoire, en fait. On ah ne ah oui. sait pas d'où ça y va. Il n'y a pas d'enjeu, il a rien. C'est-à-dire ah, que le, le K. 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 Il... en fait... Euh... Oh, puis déjà, dans Daredevil, le Kaïd, il est... Enfin, est pas... on ne sait pas qui est le Kaïd, et si on savait qui était le Kaïd, il irait en prison direct. En fait, dans Daredevil. c'est. il ne va pas en prison parce qu'il est hyper puissant. Ça fait partie de la thématique du truc, et qui est suggérée au début de film, et qui n'est pas du tout exploité. Là, c'est juste... Euh... Voilà, oui, c'est hyper malin. Alors qu'en plus, quand il, comme on dit, des meurtres, et il met, euh, il fait toujours placer une rose qui ah a oui. dans sa poche en continu. Donc, mais ah personne n'a oui. compris que c'était lui qui La rose en pas. 3D. La rose ah, en 3D. Alors, mais ouais, d'un ah point ouais. de vue film, on ne sait pas ce que ça raconte. On ne sait pas du tout euh, où ça va en venir. Et il y a une enquête, mais l'enquête a pas de début. Non. <laughs> et elle n'a pas vraiment de fin, si ce n'est que Fisk va en prison. Et, et du coup. Euh, mais qu'est-ce que, en fait <laughs> Qu'est-ce que. c'est qu -ce que, faire, que cette merde <laughs> Et mais je mais sais pas. C'est ça, a... c'est. Il, il croise le chemin. Enfin, il croise le chemin d'Electra. Et du coup, il se sent Parce que son père se fait buter. <laughs> et que du coup, elle, elle va se faire buter après. Et. Enfin, ah, quoi. Non, mais. Mais comme, tout comme il y a l'imagerie que Fockpiller invoquée en début de film, il y a aussi bah, l'imagerie de l'église. C'est quasiment. Euh, T'as quasiment des cas C'est les. les, les, les euh, le dessin de oui. de Joe Quesada au début de son run parce que du coup le personnage le violeur qui se fait <laughs> qui se fait tuer au début est nommé après un des euh, un ancien éditeur en chef de Marvel et qui était scénariste aussi et qui a qui a fait du Daredevil au début des années 2000 au moment où euh, c'était euh, ouais. où c'était post <laughs> post semi banqueroute et où euh, la, la ligne Street était la ligne la plus solide scénaristiquement en fait de 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 Marvel et euh, Ce qu'a lancé le, un des run les plus qualitatifs de Daredevil derrière. Et ça invoque l'imagerie qui est associée en plus à la mort de Karen Page dans les comics. Mais derrière, bah, même Karen Page, le perso, euh, Hélène Pompeo, euh, pré-Grey's Anatomy, bah, le perso est catastrophique. Quoi. Il existe à peine. Il n'est même pas dans, euh, dans la représentation que pouvait être le début de Karen Page dans les comics. Quoi. Non, Elle mais, mais tu ne sais pas. En fait, ça. tu peux même pas. Enfin, si tu ne le sais pas, il mmh. n'y a aucun moyen de savoir mmh. que c'est Karen. Enfin, ouais, tu. Ouais. Snake c'est la secrétaire ah, du cabinet quoi. Mais... Voilà tu connais tu connais pas t'as as vu la série tu vois ou t'as as lu un peu tu vois ça. Enfin à part te dire c'est l'une des seules zoulettes euh, de son entourage. Tu peux, oui puis elle a l'air d'être amoureuse de lui Karen. en plus qu'elle lui fait le câlins. Je même s'il si donne ça. son nom à un moment. Non mais je suis même pas sûr hein, qu'il la nomme ouais, non, mais ben, des Ils des ont des... une longue relation euh, Karen Page et Matt Murdock, ouais. dans les comics. Et, <laughs> et là, là... Euh, juste parce qu'on en parlait tout à l'heure euh, pour faire la, la petite parenthèse parce que vous parlez de Ben Affleck qui louche. Enfin, euh, c'est quand même. Enfin, euh, voilà, on, on, on ouvre la parenthèse aussi des personnes valides qui, 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 jouent, des, qui jouent des handicaps. Est-ce que ça doit être fait euh, Voilà, déjà, en 2003, on se posait encore moins la question que. Alors, en l'occurrence, pour Daredevil, tu te poses pas la question est-ce qu'il est censé se, se comporter comme quelqu'un oui, qui, oui, euh, oui, qui, euh, oui, oui, qui voit Oui, ouais. en effet. Mais là, enfin, je, je sais pas. Alors, encore une fois, je vais te donner un, je, un je indice. Je vais te donner un indice. Je me sentirais insulté. Du mec qui fait, ah, enfin, hein. qui, enfin, voilà, il... c'est pas, c'est pas possible. Enfin, ce qu'il fait, c'est pas, pas, possible. J'ai vu que du coup, en fait, il voyait vraiment quasi ouais. pas parce qu'on lui a, il a lui vu, lui des lui mis des lentilles. Ouais. Qui bloquait la lumière. Que voilà, c'est pas trop de la. De la CG. c'est comme quand t'es à Japan Expo et qu'on te met les lentilles blanches là. Mais, ouais euh, ça. C'est, c'est, enfin, c'est compliqué. Enfin, vraiment le. le... Est-ce que ton regard <laughs> a changé sur, moi, sur ceux qui étaient voyante, non voyants bon, Est-ce ouais, que ton regard a changé bah, un, un, un petit Matt Murdock en plus quoi un petit Mais, Mar Murdock euh, en plus oui. bien entendu bah oui c'est compliqué quoi ah, c'est compliqué chaud. donc euh, ouais c'est de, de revoir ça comme ça enfin euh, c'est dur et en plus pour le coup c'est vrai que euh, j'aime beaucoup enfin euh, j'aimais j'aime toujours beaucoup la série euh, la série Daredevil et il y a quand même une diff entre eux, ce qu'on a fait euh, Charlie Cox avec euh, voilà des, des années des années aussi un peu euh, au compteur quoi Clair, On n'a même pas parlé, euh, il y a une scène quand même que je trouve incroyable de euh, Matt Murdock qui va euh, séquestrer un flic dans sa voiture en tant que Matt Murdock, oui. Oui. montrant totalement qu'il se comporte totalement comme une personne pas aveugle, de, avocat totalement connu de la défense de, du flic qui était dans l'accusation, globalement. Euh, ça passe, ça passe quand même. Sachant que l'identité secrète oui. de Matt Murdock, c'est un, une problématique dans les comics. Quoi, parce qu'il y a la problématique autour du fait que le Kingpin apprend son identité et. Euh, et voilà, ça pose, ça pose des problèmes. Et plus tard, euh, son identité est vraiment révélée euh, au public. Donc c'est une problématique euh, qui existe, mais là, euh, ils s'en battent les couilles. Quoi. Alors, ouais, le ouais, mais en c'est encore une fois, le ouais. film dure 2h20, ils ne pouvaient pas tout mettre. Hein, euh, et puis même, il y a des non-sens. Hein, ah non, mais justement, ils mettent trop de trucs. Ils mettent des débuts de trucs. C'est trop marrant, parce que tu vois qu'il est passé après Spider-Man et X-Men. Un petit peu Blade aussi sur certains trucs. Ouais, sur l'esthétique, le hein. sur tout Les X-Men les, 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 ouais, sur les costumes qui sont horribles, qui sont vraiment ouais. horribles. Oui, voilà. Et, euh, euh, et Spider-Man ouais. pour la 3D, mais sans avoir le talent de, de faire quelque chose derrière dans ah, le. Ah, c'était pas, pas les équipes. Je sais pas qui s'est chargé des équipes, hein, des effets visuels sur, euh, sur Spider-Man. Enfin, j'imagine que c'est soit Sony, euh, soit euh, VETA, mais euh, je pense qu'ils avaient pas le budget pour je euh, choper des mecs. Euh... Ah non, clairement, c'était tu... pas le même budget, mais, mais quand même. Et en plus, euh, j'ai l'impression qu'il y a une mésinterprétation des pouvoirs de Daredevil, ou alors que c'est visuellement, ça rend pas bien, mais à la fin, à un moment, il saute d'un building à un autre. Oui, oui, oui. oui. Et euh, alors, c'est un très bon acrobate, Daredevil, mais il vole pas, quoi. Il fait pas des ah super non, oui, bons il non fait, plus. Il fait un double jump. Il fait de la Superman, quoi. Ah ouais, la Superman, quand il ne volait pas, ouais. ouais euh, je sais pas. Il y a aussi euh, un... Un truc pour terminer sur aussi la violence, enfin, il y a une sorte de... de il a un peu le cul entre deux chaises, il y a, donc il y a des scènes vraiment qui se veulent comiques ou pas, je sais pas, avec le parc, etc. Mais il était aussi interdit au moins de 12 ans, euh, mm -hmm. à, à l'époque, donc t as, t as quelques scènes qui veulent se la jouer un petit peu violente, etc. Et ça, je trouve que ça colle pas du tout avec la tonalité globale du film, euh, donc tu sais pas vers quoi il veut aller en fait au, au, au final sur ce truc-là. Et je trouve ça étonnant en fait d'avoir fait de voulu faire un film un peu violent et tout ça pour faire un peu une boucherie en termes de ouais, montage et tout. Comme, euh... comme d'hab ça veut ça veut être violent en intention de base, bah c'est ouais, ouais. dilué, dilué au fur et à mesure et tu te retrouves avec ça un fait... truc comme ça. Peut-être ouais, juste, peut juste pour invoquer l'imagerie du meurtre d'Electra où tu vois le sai qui traverse le corps. Et, Et ça, ça, le fait qu'on voit le ça y traverser le corps, même s'il y a pas de sang, peut-être ah oui, déjà ouais. ça, ça, mais... ça, ça. Alors d'ailleurs, ça, ça, ça m'avait marqué, parce que ça traverse le corps, ça ne traverse pas le t-shirt. Hein. Ouais. <laughs> parce que c'est le, le propre. <laughs> c'est le très propre de ceux qui, qui appuient. Vraiment, ça ressort, ça ressort de l'autre côté. Enfin, comment dire, ça ressort de son corps, mais ça ressort pas de son t-shirt en cuir. Donc c'est qu'elle porte du cuir vraiment épais. Oui, bien sûr. Et ça m'avait marqué, genre, tu peux pas. Tu peux pas faire un truc un peu dramatique où la, me la meuf se fait planter comme ça en plus elle est vraiment ils sont en haut de l'immeuble et tout enfin c'est tu, tu la vois de profil et tout et de profil tu vois que le truc ne Passe pas, enfin n'a pas traversé le, le, le top quoi. Donc, comment ça n'a aucun sens Beaucoup de questions sans réponse euh, dans ce <laughs> film. Alors, euh, je disais le budget 79, 78 millions de dollars. Il a rapporté 179 millions plus 90 millions en vidéo. Donc, euh, ce qui en fait ramène le total à quasiment 270. Euh, et euh, en fait, les recettes sont pas mal 1,3 million d'entrées en France. Mais, euh, mais, très très mauvais retour critique et spectateur. Alors, savoir déjà que le premier week-end d'exploitation de Daredevil était vraiment pas mal. Mais c'est juste qu'en fait que les gens qui ont vu le film en premier se sont dit, on fait passer le mot en disant que c'est de la merde, n'y allait mmh. pas. Et que le film, en fait, le, je dirais que la, la, la progression de recette, c'est cassé vite, mmh. cassé vite la gueule, en fait. À cause, à cause de ça. Euh, donc Ben Affleck déteste le film, hein, d'autant plus que lui il a été extrêmement frustré puisqu'il s'est énormément préparé pour le rôle. Donc il avait lu tous les comics, il avait relu tous les comics. Euh, il s'est mis à loucher, il a appris à loucher, non je déconne. Mais euh, en vrai euh, voilà, enfin il avait <laughs> comme ses putains. Non mais tu imagines le truc quoi. Non non, mais il avait euh, voilà les préparations physiques, euh, puis. Euh puis Effectivement, le fait de porter des putains de lentilles, euh, bon, c'est pareil, euh, c'est ridicule maintenant. Le costume à, Les costumes, à froid, vrai. mais voilà, ouais, ouais, il y a beaucoup de choses comme ça. Et c'est ouais, mais Préparation mais bon, de... physique de quoi Il saute même pas pour de vrai, quasi. Enfin, tu vois, ouais. euh, bah oui, mais, 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 mais il s'est préparé pour rien. c'est du parc. C'est ça qui ouais. est qu frustrant. En vrai, mets ce costume en cuir et essaye de faire des, des acrobaties. Tu vas voir comment ça doit être galère, à mon avis. non, mais oui, c'est ça. Enfin, t'as rien, t'as pas de en fait. Le seul vrai gagnant de cette histoire, c'est vraiment le groupe Evanescence. Parce qu'en fait, oui. leur, leur album, enfin ils ont fait plusieurs albums après, mais cet album-là, qui est donc avec deux titres... Euh, de leur album qui est sur le Daredevil, ça a fait une énorme passerelle en fait. C'est grâce à ça qu'ils sont devenus ah connus. Ouais. Et après, ils ont pu. Euh, là, bien sûr, c'est plus confidentiel, on les entend pas à la radio tout ça, mais ils ont quand même une carrière, ils ont quand même des fans, ils ont quand même. Enfin voilà, ça leur a permis quand même de faire que euh, bah ça devienne leur gain de pain et qu'ils soient tranquilles avec euh, avec ça quoi. Donc euh, non non c'est voilà, c'est vraiment les seuls gagnants de cette histoire. Quoi. Donc faut dire qu'en fait c'est juste peut-être percé sans ça, mais je pense que non, aussi non non vraiment, non c'est vraiment non non là là c'est vraiment le c'est vraiment là ils peuvent dire merci euh, au Super tu peux pas réécrire, on va pas Alors. réécrire l'histoire, ça se trouve... Euh... Enfin, tu vois, ils auraient sorti le single non, dans un autre. Euh... Je mais pense que le pas clip ça. Il tourne en, il en boucle. Là. Ça, ça non, non, c'était horrible. Mais, mais, euh... mais euh... voilà, ils doivent leur succès au superviseur musical en fait du, du film quoi, qui a dit euh, voilà, il y a ça dans ma discothèque, allez, euh, let's go quoi. Donc euh, non, non, ils ont vraiment eu euh, eu du bol grâce à ça quoi. Euh, mais après, le superviseur bah, on... musical, il mérite la tôle hein, parce que quand même. Nickelback aussi. On en parlait, voilà, vraiment, on en parlait euh... avant juste d'enregistrer, on a revérifié vérifié. Calling de calling Nickelback ou Bastang. West Tank, pardon, pas West Tank. Euh, Moby, Ah ouais, non, mais enfin... quand même des trucs, hein. RTL2, le sens de 2003. Ouais, ouais c'est de... très... très 2003, genre vraiment dès que ça, con... ça commençait. Euh... Voilà. Droning Pool euh... featuring Rob Zombie. Droning euh, Pool, Ouais, c'est c'est chaud, c'est chaud. Euh, on nous balance dans le chat, meilleur film Marvel. J'énonce, tu peux être pendre, s'il te plaît, merci. Maintenant, euh, le film mérite-t-il ouais. la shitlist alors là, grosse question. On sait tous quasiment la réponse, mais on peut quand même la poser. Un peu de suspense. Manu. Écoute, des fois, je pense qu'il faut le dire. C'était moins bien que Rogue One. Du coup, oui. ça mérite évidemment la shitlist. Bien entendu. Merci, Manu. <laughs> Mathieu. Oh, oui, s'il vous plaît. Oui, s'il vous, vous pensez, plaît. Le directeur Scut, bien sûr. Supplément directeur peu, Scut dans la poube. Supplément directeur Scut. avec. Euh... Voilà ah, ouais. c'est ouais, ça est-ce -ce, ouais, est -ce ouais, qu le... est qu'on fait la différence entre la director Scott et la version ciné au final Ah, ah on l'a fait, c'est bon, je pense qu'on en a parlé pendant 20 vont, minutes vidéo Yves. Elle est les deux y ouais. vont. Non mais est-ce qu'on met l'un dans la chute ah. C'est pas l'autre C'est ça que ah, Non les... non, les deux. Oh, non les, deux. Ah. les deux, les deux, les deux, les deux. Et Vesper Ah bah oui, euh, on ah, se trouve le pantalon bah, en cuir mais évidemment que évidemment j'ai mettre Electra après dans la fouille du coup. Non, tu tu étais nu, nu, une journée 24 heures s'il te plaît. Non, non non. Mais je pense je pense qu'à l'occasion, maintenant que je me suis refadé, enfin que je me suis fait donc euh, Deadpool 3 et que je me suis refadé Daredevil, je me dis un, un soir où j'ai rien à faire, peut-être que me montre Electra. Il, mo il y a moyen de rigoler. Ouais, je mais bon. C'est un... pas Tiffany de le méchant. Voilà, la la méchante c'est ce euh, absolument pas Tiffany de Enfin, c'est catastrophique. Alors Electra. Après moi, c'était grand fantasme quand j'étais ado, forcément. Mais euh, ouais, ça n'a pas, oui. en fait. bah, pas passé ça en fait. Ça n'a pas passé ça en fait. C'est resté Keblo en 2005. C'était quoi 2005 Je crois que c'est deux ans après, hein, il me semble. Ouais, bah, j'aurais même peut-être euh... un an après. mais C'était Rod Bowman en plus. Euh, il n'était pas mauvais, Rod euh, Bowman, euh, putain. Il a fait quoi 2005 Ouais. Feu. Ah, le règne du, ah, du feu, oui, très bon X film. X-Files, ouais. le film. X-Files, euh, euh, il a fait pas mal d'épisodes aussi. Ouais, euh, de oh, ouais, non, c'était pas un mauvais. Ah, non, mais il y avait le mec qui était c'est vrai. C'est vrai. Ah, la vache, incroyable. Bon, ouais, bon. je trouve que le costume d'Electra rouge est très beau parce que c'est le costume des comics. Mais c'est ouais. le seul truc qui est bien en fait. Et encore, et encore tu vois la texture à l'image quand même que c'est pas terrible. Mais bon, c'est quand même son costume est mieux dans Deadpool et Wolverine. Oui, bah, bah, le hein. perso aussi, tout est mieux. Enfin... Oui, bah, oui, bah, oui, oui. Alors, facile. à ce compte-là, Electra est mieux dans la saison 2 de Daredevil. Hein. <laughs> Il y avait pas un jeu PS2 Daredevil aussi je... non Game Boy Advance Game Boy Advance Ah bon. oh oui voilà bah tu vois c'est vraiment dur, les très hein fous du coup, du coup on avait la même vision que, que maintenant Oui, ouais c'est ça tout pixelisé et tout je oh ouais. incroyable mais tout est dur bon non, bah mais direct mais ouais au soir au La Daredevil la série la série, ouais. la série. et attendre celle qui arrive en 2025 c'est ça hein ouais on verra on verra ça, ah ouais? Il ouais, bon, y a, y a êtes... les premières images qui sont tombées. Comment euh, ça, vous êtes pas hypé? Ouais. Ça m'a l'air d'être une série un peu mieux quand même vais. que le, le, le bas du j panier. J'y hein. ah ouais, okay. vais, mais j'ai peur. Voilà. J'y vais, mais j'ai peur. Moi, j'ai bien aimé Agatha. Donc, euh, ah, j'adore Agatha aussi. Et puis, j'aime beaucoup Daredevil dans l'apparition de Matt Murdock dans She-Hulk. J attends, ah oui, attends. Oui, mais oui. En fait, c'est la partie Wilson Fix qui me fait peur vrai. parce que Wilson Fix dans okay, c'était catastrophique. Ouais. Ok, 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 ok. Bon, bah, écoutez, on verra. Et je suis à fleur un un dans truc, mais... Alors, on va ouais, pouvoir passer voir. au courrier des Durandos. Alors, le courrier des Durandos, c'est votre moment pour nous parler euh, de votre. Enfin, de nous dire de votre avis de, de, sur le film nous de poster nos recommandations un petit jeu aussi et de lire euh, bien sûr ah. vos avis absolument éclatés sur notre émission euh, on va commencer donc avec l'avis des auditeurs donc fucking Cinechill un Colin Maillard Alors, voilà enfin voilà, c'est un Colin Maillard voilà il a voulu faire un petit jeu de mots déjà il commence déjà en deux mots à me saouler euh, géant dans New York ou un bad fleck euh, pas in shape ponce comme un ado déprimé l'album d'Evanescence tout en se fritant avec un Pharrell sosie sous LSD de Pascal Obispo qui s'amuse à tuer des mamies avec des cacahuètes shitlist mais c'est plus digeste qu'Electra, bon, on peut être d'accord là-dessus. Le mot est-ce que... Et euh, euh, qu'est-ce qu'a fait la cheatlist pour mériter Daredevil Est-ce qu'on lui pose la question des fois Est-ce qu'on pourrait évoquer le consentement de la cheatlist Est-ce que vous... Est-ce que vous lui faites subir, effectivement Alors... En soi, là, on a été plutôt cool. On n'a pas eu de d'énormes merdes en début de saison, mais... Euh... Enfin, si, quand même, quelques-unes, mais mais là, oui, oui c'est vrai qu'on atteint quand même le, le haut niveau. Euh, Erwan sien nous dit... Alors, objectivement, oui, même si la version longue rattrape quand même bien la version ciné. Ah, tu vois <laughs> Je mettais moins en doute. Mais malgré tout ça, reste un plaisir coupable, donc, même s'il va dans la shitlist, il va pas dans ma shitlist. Voilà, ça, c'est bien. Ça, on a des vrais combats, ici. Euh, Jules Bianchi nous dit... Enfant, j'avais adoré. C'était une séance avec mon père, dont Dardeville était le héros d'enfance. Donc sa joie a été euh, communicative. Aujourd'hui, je me dis qu'il avait des goûts cinématographiques de merde. <laughs> Dardeville, mérite la shit Mec, Mais un doux souvenir quand même, petit clin d'œil. Euh, et là, c'est le retour du meilleur pseudo de tous les temps. Vous vous souvenez du Chinois, le Chinois 62. <laughs> euh, je pense que les acteurs voulaient faire un bon film, mais ça ne prend pas. Faudrait que je leur voie. J'ai souvenir de moments un peu ridicules, la mise en scène chelou. Et Kyrie nous dit. Et là, c'est vrai qu'on peut on peut-être peut mettre en doute notre avis. Comment ce chef-d'œuvre en DVD offert avec l'abonnement annuel de Ciné-Live peut tomber dans la shitlist impossible Et ça, c'est vrai que y a cette époque-là. Non, mais cette époque-là, de... on peut avoir des DVD quand on achetait des magazines. C'était ouais. une époque absolument fabuleuse. Ouais, Alors... À 1€ chez Cash Converter ou un truc comme ça. Mais... <laughs> ouais, c'est ça. Non, Et oui, les... oui, quand tu vidais... Euh... Tu sais, en plus, c'était des, euh... des DVD, mais avec euh, une jaquette super fine. C'était... Euh... Ah, c'était là, Il y avait horrible. des bandes-annonces ouais. d'autres Ah ouais, c'était la bonne époque, hein, c'était incroyable. <laughs> alors, euh, j'ai été un connard, je voudrais revenir un peu sur euh, des fois, sur mes tweets, euh, ça, para... ça concerne une certaine... -ce Marie-Christine, Marie alors, Marie-Christine, euh, sur YouTube, euh, avait fait un, un, plusieurs euh, commentaires sur la même vidéo. En fait, on ne comprenait ouais. pas le commentaire. On disait, elle disait bisous, ouais. euh, oui, ça on n'est pas con où j'avais partagé ouais. ce screen euh, oui, oui, euh, oui 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 et du coup je l'avais partagé sur Twitter en disant voilà commentaire de zinzin sur YouTube YouTube le, le monde merveilleux des, des commentaires absolument affreux et euh, alors que et... c'est un commentaire gentil oui alors du coup en fait je comprenais Entre pas tous pourquoi les gens elle faisait on se fait chier en fait <laughs> mais je ne comprenais pas pourquoi elle a fait trois commentaires différents en disant on n'est pas ouais. con gros bisous merci pour le live ouais et du coup en fait on m'a expliqué finalement peut-être que Marie-Christine euh, pensait que la vidéo qu'elle était en train de regarder était en live était en live. Et voilà. Et c'est pour ah... ça qu'en fait, elle avait fait ça. Donc, petit, Christ... enfin, oui, ça petit message. Icône. Voilà. Petit message à Marie-Christine. Si, tu... si, si vous voulez euh, interagir avec nous, allez sur Twitch. Vous pourrez... et, euh, là, on pourra lire vos commentaires à chaque fois avec grand plaisir. On jouer. Voilà. Euh, sinon, après, on a des commentaires gentils parce que vous, gardez... enfin, vous savez bien que je garde les méchants pour... Euh pour... Euh, vous savez, le, le grand Marvin. Euh, Mrs. Solis nous dit, à écouter Ils sont 5 étoiles. C'est souvent ça. Euh, J'adore ce podcast. Je pense que mon épisode préféré est celui de Drive. J'ai eu un fou rire. Oui. Et Steph nous dit 5 étoiles, une équipe au top. Donc merci à vous pour vos commentaires. Ça nous fait extrêmement merci. plaisir. Merci. Euh, alors le jeu de la semaine. Alors le jeu de la semaine, c'est vraiment le jeu de la semaine le moins drôle. Pas à patron, tout ça. Oui, bien Exactement. sûr. Donner des sous, c'est comme ça qu'on vit. <laughs> Bien sûr, c'est avec, tout... avec le Patreon qu'on vit, hein, bien sûr. Nous allons vivre, nous allons survivre. Nous allons survivre avec le Patreon, bien entendu. Attends, euh, alors là, le jeu le, le, le plus chiant du monde, parce qu'on va retourner sur ce site tout pourri d'agrégateurs de notes, euh, et on va déterminer le top 10 des meilleurs films avec Ben Affleck, et non de Ben Affleck. Mmh, avec Ben Affleck. Bah, y en a, y en a Même ça, si, pff, voilà, il y a des films de réalisation Ben Affleck. Il y a Argo, ben c'est sûr. Putain, vous faites chier. Arrêtez là Putain Ah, bah, c'est le premier Bah, ouais, mais non, c'est pas le premier. Alors, déjà, vous allez. Non, mais arrêtez Oh Eh Vas-y, vas-y, je Tenez-vous Allez Tenez-vous Le numéro 10. Le numéro 10. Ceci est chiant. Il fait exprès en plus. Dixième position. Alors, dixième position, c'est là où vous allez le plus galérer. Là, je vais me marrer. C'est un film de Gavin O'Connor. Ah, ah c'est ouais. celui où il est autiste. Euh... Oui, <laughs> oui c'est ça. Ouais. Alors, c'est pas le titre du film. Euh, ça, the... Incroyable. Ah ouais, pas vu. the Accountant, c'est Mr. Wall. C'est un ah. film où il est comptable en même temps, il, il tue des gens. Voilà, C'est un film ouais. incroyable. Euh, neuvième position, un film de Kevin Smith. Jess ah, ah. Allen Bob contre Attaque Non. non. Euh, Dogma. Ah, non. Dogma, ouais, effectivement, 9 deuxième ouais. position. Alors, huitième position, c'est un film incroyable. Euh, un des meilleurs films, d'ailleurs, de, de, de son réalisateur, euh, qui, a été, qui a bidé, en fait, euh, qui avait bidé en salle, euh, parce qu'il y avait une campagne contre le film un peu abusée, en fait. Euh, Batman v Superman, de... évidemment. Non, <laughs> non. Oui, oui, bah, oui, oui, super film, le meilleur film Comment de son ce réalisateur. Ah. Ouais, grosse campagne de dénigrement. Ouais. Non, non, il y avait une campagne de dénigrement sur ce film euh, qui me semblait un poil récent, abusé. C'est récent. C'est récent, récent bien sûr, parce que c'est les réseaux sociaux qu voilà, qui étaient, de, qui étaient dans, dans le coup. Mais un film, euh, alors, c'est pas son meilleur rôle, moi je trouve, hein, euh, clairement pas. Mais, euh, mais le film est incroyable. Le film est très bon. C est c est celui qui joue un, un entraîneur alcoolique. <laughs> Non, c'est The Last Duel, effectivement. Ah oui, oui. The Last Duel. En fait, c'est un film qui a été un peu. On l'a tiré dessus. C'était trop beau que c'est ça. Ah oui, c'est Non, au contraire, il disait qu'il y avait une scène de viol. Enfin bref, que tout en autour du viol et que s'il y avait un truc. C'est le Rashomon en fait. C'est Rashomon clairement. Mais le truc, c'est qu'effectivement, le film s'est fait dérouiller comme ça. Et en fait, le film est vraiment très bien. Mais c'est personne n'allait le voir, en fait. Parce qu'il a bidé. Oui, personne n'allait le voir parce que. Ben, les gens avaient peut-être pas envie de le voir, hein. je pense pas que ce soit vraiment des. Oui, hein. alors oui, oui. Bah, après, il faut voir quand même le Ben Affleck avec un accent français. Ça, quand même, il ouais, oui, euh, oui, faut oui. y aller. Mais, Mais le. Mais le film est très bien. Euh... Est-ce que c'est juste, n'est pas les gens qui ont eu la flemme, effectivement, de voir 3 heures de trois fois la même scène de viol, mais je pense pas qu'il y ait eu un vrai truc de... de... Ça dure pas 3 heures. Je sais pas. Le, le chieur derrière. Le chieur. <laughs> Alors moi je pense qu'elle a raison, parce que le film dure 2h32, donc on peut tendre vers les 3 heures, tu vois. <laughs> euh, Ressenti 3 heures. Que... Non, non mais, mais je veux vous... dire par rapport à la scène de viol. Mais... Oui, oui, peut-être. Ouais. Oui, oui, bien sûr. Mais voilà. Je pense que peut-être que ça. C'est sûr que si ça te fait chier une fois, enfin si tu le vis mal une fois et que tu sais que ça va se reproduire deux fois dans le film, euh, ouais. Ça Moi je sais plus bon, si bon, on, on vrai le voit totalement, je, je crois qu'on le voit qu'une seule fois, il me semble. Mais, euh, mais ouais, par contre c'est le meilleur film de Ridley Scott depuis un moment, depuis Cartel. Donc euh, voilà, si, si, si vous n'avez pas, y pas y encore en vu. Deux, le... ça a peut -être changé. Oh, cartel. ton gun, Manu, on sait pas. Beston ton gun, on sait pas encore. On vit dans un monde, on vit dans une alternative. On vit dans une réalité. On vit dans une réalité où on ne sait pas s'il est le bien. le gazer de Schrödinger Ouais, euh, bah c'est bah, ça. Je... Ouais. Bah, invoque, ah, invoque-moi ça. On verra. Invoque. Invoque, les ce les, sont les, mon les film. AVP ont déjà eu lieu de Gladiator. Oui, à ce qui ah. paraît, il pici... y a une super arène avec une piscine, avec des requins. Et ça, j'ai envie de voir. Ça, déjà, j'ai je... ouais. envie. Il ouais, je... n'y a pas non. Euh... Ah, salut Ace. Euh... Septième film. Salut. Septième film, il y a des avions. L'arbore. Voilà <laughs> ah, oui, 10, ils ont <laughs> mis ça dans le ah, top 10. Ah, C'est ouais, le pire film de Michael Bay. C'est le pire, oh, ouais, film, tout court. pire film, film tout court. Pire film tout court. Pire film tout court. Alors, attendez, je reviens encore sur le sixième film. Alors, ouais. en sixième position, on en parle souvent depuis qu'on a fait euh, une tier list. Armageddon. Armageddon, effectivement. Armageddon. Bon, la cinquième, vous allez je crier. se suivre, ça fait sens. Le cinquième vous allez crier, ouais. vous allez dire qu'est-ce qu'il fout là bah, on l'a déjà fait sur Palabra Est-ce que c'est un bon film ou un mauvais film Est-ce que c'est un bon film qui n'est que cinquième Ou est-ce que c'est un mauvais film qui, est... qui a réussi à monter au top 5 bon, bah, moi je sais pas ce qu'il fout là en fait BVS C'est <laughs> Batman vs Superman BVS ouais, effectivement, Ah bah voilà ouais, oui bon, Ils n'ont pas a mis Justice League sûr moi Est-ce est qu'ils ont mis la Snyder Cut quelque part non. Ah. Non. Ah, bon. non, ah, bon. non 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 nous sommes pas sur IMDb, ça va au niveau de la chance. Euh, quatrième position, euh, c'est un film de braquage. The Town. The Town, ouais, effectivement. Non, Réali... non, si c'est si, ça, ouais. c'est ah, réalisé ouais. par lui aussi. Euh. Euh, troisième position, euh, troisième position, il y a une scène de paix. Le Baby il y a, du... y a de braquage... Scène Quoi? de paix, il y a une scène de prout. Mais je voulais dire Gone Girl, trouvé... mais il y a une scène de prout dans Gone Girl il n'y a pas une scène de Prout dans Gun Girl. Hein. <laughs> euh... une scène, ça parle de paix. À un moment donné, il y a une scène qui parle ça... de Prout. Ça... Oh, parle. Will Hunting. Ça ah. parle. C'est Will Hunting, effectivement. Ah. Bah oui. Je me rappelle. Ah, il ouais. ouais, ah, y a plus Paycheck, c'est vrai qu'il a fait Paycheck. Ouais, Paycheck, c'est terrible. Ouais, c'était hey. <laughs> Pubs. Je l'ai rembatté il y a 6 mois, Paycheck, pour voir si c'était vraiment du. Ah ouais, sachez. <laughs> ah, ouais. Merci pour ce check. Euh... <laughs> ouais, ouais, <c> <laughs> tu des fois tu te poses des questions tu te dis tiens est-ce que j'allais si j'allais vérifier pourquoi, pourquoi c'est moins pire que, ça, que, The alors Killer, que, hein, même. que Luc te donne des films affreux à voir ah oui <laughs> c'est ça, ah, oui, ça la grosse question alors deuxième position euh... Bonne deuxième po non 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 deuxième il position si si je pourrais dire il y a Led Zeppelin dans la BO alors c'est c'est juste pour vous dire que c'est un truc incroyable parce que Led Zeppelin en termes de coût je crois que les titres de Led Zeppelin quand vous le mettez dans le film ça coûte une blinde. Je crois que c'est un million de ah, titres ou ouais. un truc comme ça quoi. Ah, ouais. Attends on a dit tout à l'heure et il a dit que ça serait Argo. C'est Argo ah, effectivement. Oui, Argo, ouais ouais, ouais, ouais c'est ouais, ça c'est Argo. Euh, Argo. Son et du coup Gondar là. Et voilà. le premier Gondar forcément ouais. c'est Gondar. Triple frontière moi j'aime bien Triple frontière. Gondar. Oui 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 mais. Gondar c'est son meilleur rôle parce qu'il. Mais déjà il y a Pearl Harbor. Il y a Pearl Harbor. Le, le, le classement n'a aucun sens Triple Frontière est 17ème Daredevil est 16ème faut dire ah ouais, devant Triple Frontier ah ouais, ah ouais <laughs> bon genre 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 genre. mais Daredevil se fait salos. supplanter par ouais. Justice League et, et, et d'ailleurs ah et la Snyder Cut elle est 12ème ouais c'est dur ah, ah, c'est est est quoi, quoi ah donc ils ont séparé quand même jeu de, de pouvoir euh, jeu de pouvoir mais par contre son film pas mal alors de souvenirs mais qui était un peu nul mais pas mal enfin je veux dire dans sa carrière non, c'est euh, la somme de toutes les peurs aussi qui était vraiment pas ah, mal. Ah ouais, c'est Jack Ryan. Et on a, on a en dernière position, et ça par contre je comprends pas parce que c'est un film que moi j'ai beaucoup aimé mais qu'on avait traité dans Cheatlist. Dernier de euh, combien Il est 25ème. Dernier, euh, dernier. Et c'est un film qu'on a fait dans shitlist qui était vraiment pas mal pour le coup et qui est dernier. Euh, dernier, est... dernier, dernier. Mont Saint-Michel, ça te dit quelque chose Manu ah mais non mais, mais c'est horrible. C'est horrible. C'est à, à la merveille. merveille. À la merveille. Mais bah, si de Terrence Malik. Mais non mais c'était Parce... dans mon cheat list à moi. Oui, ah, euh... oui. <laughs> Tu vas ouais. pas me faire dire que c'est un bon film. Hein. Ah, ouais, ah, non, ouais. tu me l'as fait remater déjà. Ouais ouais mais c'est bah oui mais tu l'as rematé en, en x 2 non C'est pas lui où je l'ai maté je l'ai en plus de x 2 je crois. <laughs> en 2,5 ou un truc comme ça. Ah ouais non. À la oui, merveille c'est ouais, Ah ouais, c'est vénère la vraie malice. Il se passe rien donc, rien, il y a pas de dialogue. Mais c'est ah, du, du cinéma, Mais c'est du cinéma, Manu. C'est du. C'est bien, c'est bien parce que profite que Marvin soit pas là pour chier sur Terrence bah, Malick. Bah oui, parce que là t'es. <laughs> hein. C'est cinéphile qui dit Gun, Baby Gun qui est pas c'est fou. Oh, ouais, ouais, non, non, il y est pas. Il y est pas du tout. C'est Pearl Harbor. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Ah non, mais de toute façon Girl les premier donc le reste euh, m'importe peu. Voilà. Voilà. Il peut partir. Il peut partir. Les Jersey c'est bien. J'ai pas vu ça. Non non plus. Ça me dit rien. Enfin, je crois que peut-être que je l'ai vu un jour, mais je m'en souviens plus en tout cas. Euh, allez, on va passer aux recommandations culturelles. Je vais commencer avec Vesper. Vesper, qu'est-ce que tu nous recommandes cette semaine euh, Plein de choses. Non, enfin si un peu. Je suis allé voir euh, ce week-end euh, entre autres. Je suis allé voir revoir Anora. Euh, ah oui, Anora de Sean Baker. Voilà, qui est, qui est toujours... Enfin, euh, deuxième fois, qui est toujours aussi bien que la, Donc, qui est euh, le film première, qui a remporté mais... la palme au Festival de Cannes, quoi. C'est vraiment... C'est Scream 5, tout ça, je suis content. Avec Mickey Madison, voilà. <rire> <rire> <Et dans> Scream... <laughs> elle elle euh... joue dans Scream 5, c'est ça Et puis elle était ouais. dans Once Upon a Time, et c'est elle qui s'est cramée au lance-flamme. Ouais. Dans Once Upon a Time, il ouais. y a vraiment tout, bien toutes, les, toutes les actrices qui... Qui, sont qui vont en train percer, de percer, ouais c'est euh... ouais ça. Enfin, Margaret Quallet et tout. Enfin, voilà, c est, c est assez, Après, dans Once euh, Upon a Time, il y a aussi cool. un délire. De, il a pris euh, des enfants d'acteurs de et d'actrices. Et du coup, il y, y en a plein qui sont des oui, enfants. c'est vrai. Bah, justement, en fait. Margaret Quallet. C'est euh, et... pour ça que c'est la nouvelle génération, c'est le népotisme. Voilà. En fait. Et Fi, Fi 2, euh, il <laughs> y, avait... ah, y avait qui d'autre aussi bah, Il y a Fanning, de... y a Fanning um, aussi. Euh, il y a Maya Hawke Ah oui, c'est ça, il y avait Maya Hawke voilà. Il y a la fille de mère de euh, son actrice de. De 8 oui, oui. salopards, Enfin. Ah, putain, ah, pourquoi de... j'ai plus... De... Je, Je, euh... Draft aussi, mais. Une... Oui, euh, Existence et tout, euh, Jennifer. Euh... Jennifer John voilà. Enfin, ah, il oui. La fille de Jennifer John il y a un paquet de monde comme ça. Il y a aussi uh, Austin hein. Butler. Ça marche bien, c'est vrai. Austin Butler. Donc, ouais, sinon, on... donc, aucun rapport, effectivement. Donc, oui, donc, Anora, toujours aussi. Euh... Euh, toujours, toujours, toujours aussi bien, mais bon, on va pas refaire, euh, refaire à Nora. Donc, moi ouais, j'ai vu Flo, je ne sais pas comment se prononce le nom du réel. C'est Gins, Gins Zil, Zilbalodis. Non, mais c'est bien, ouais. mais euh, moi je ne dirais rien. Le, mais... le, bah, 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 le film d'animation avec le muet avec le petit chat noir, voilà. Donc w euh, Floy Et Flo. Et c'était effectivement très mignon. Euh, le film avait fait parler de lui euh, au festival euh, d'Annecy. Et c'est vrai que euh, là, en plus, ça sort pile euh, pendant les vacances de la de la Toussaint. Euh, évidemment, j'étais euh, dans une salle euh, remplie euh, d'enfants. Voilà. Là, oui, buf, il est, la les il est noir et blanc, ça, ça marche. Bah, mais bah, ouais, ouais, mais bon, c'est pas grave. Je fais genre il ski vole comme là. Comme ah ça, oui, oui, voilà. Nage. Je n'y pas l'eau. Et c'est vrai ça que, que avec le, le, le robot sauvage qu qui, qui est aussi en salle en même temps, on a une espèce de de double feature sur euh, le dérèglement climatique euh, et ses conséquences, euh, vues à travers euh, les yeux des petits euh, animaux mignons. Et, euh, et ouais, le film dure, euh, voilà, dure une heure et demie. Il y a pas y a pas un mot. Euh, c'est assez, euh, assez touchant et c'est vraiment en mode euh, film film d'aventure quoi. En fait, ça démarre et euh, tout de suite il y a une espèce de montée des eaux euh, dans, la, dans la forêt où vivent euh, la, plupart, euh, la plupart des animaux. Euh, euh, dont, le, dont le petit chat, et il va rencontrer euh, d'autres animaux, euh, voilà dont un golden retriever euh, incroyable, euh, aussi bête que ce qu'on peut penser d'un golden retriever. Un oui, oui, con, con euh, oui. C'était vraiment très mignon, donc ça, je, voilà, je, je vois que au fur et à mesure, euh, plusieurs personnes sont en train d'aller le, le voir et tout, donc je, je pense qu'il y, qu y a moyen qu'il soit là un peu des, des candidats... Euh, je... Peut-être de pubs. <laughs> euh, je suis en fait un sérieux star. candidat si le bouche-oreille continue de bien de bien fonctionner euh, dans les meilleurs films d'animation qu'on a, qu a eu cette année quoi. Donc, euh, donc voilà donc, tant mieux c'était euh, vraiment très mimes et euh, vendredi soir je suis allé voir un avant-première The Substance. Ah, alors, alors de... voilà, grand, euh, grand, grand défi, un... grand défi pour toi. Ce que tu nous disais, ouais. c'est qu'en fait, euh, voilà, c'est pas ton genre de film. Quoi. Je suis une chouchotte. Non, voilà, bah voilà je suis une chochotte. Euh, me suis, euh, j'ai tergiversé pendant euh, mille ans euh, en me disant, est-ce que, euh, est que je vais aller, le voir ou pas. Euh, de l'autre côté, euh, j'avais bah, déjà vraiment envie, de le, vraiment envie de le voir parce qu'en fait, la thématique me parle tout simplement. Hein, donc. Euh... Euh, pour euh, celles et ceux qui ne euh, sauraient pas, mais bon, euh, comme le film est sorti aux États-Unis il y a un mois, je pense que vous êtes. Deux ans. Spoilé euh, l'intégralité sur Twitter, ouais. donc vous savez de quoi ça parle. Mais ouais. euh, c'est euh, demi Moore euh, qui joue demi-mour, euh, qui joue une espèce de star euh, voilà du, du cinéma un peu euh, un peu déchu qui donne des cours euh, qui donne des cours d'aérobic euh, et qui se fait virer du jour au lendemain pour euh, bah, dans le but d'être remplacé par quelqu'un de, de plus jeune. Plus crèche, euh, ouais. voilà, tout, tout ce que vous voulez. Et euh, on lui fait. Enfin, elle, elle découvre un peu l'existence d'une espèce de, de, de drogue clandestine, voilà, qui s'appelle de Substance. Et euh, donc, c'est un produit, une fois qu'on te, qu te l'inocule, tu deviens une meilleure version de toi-même. Et en fait, elle, la meilleure version d'elle-même, c'est Margaret Qualley. Euh, Qualley Qualley Quali, enfin, euh, ouais, euh, Qualley. Et, euh, et voilà, et c'est du, du body aurore à fond les ballons, donc. <laughs> J'ai passé la moitié de la séance là pour le coup deux heures et demie à avoir la, les voilà les, les doigts les doigts devant les yeux. Là <laughs> ah, mais je ne ferai ça. <laughs> tu sais j'ai vu Neon Demon au cinéma. Puis je... Ah, ah oui. Ouais. Bah, c'est un peu c'est un, un peu, peu le même, même délire en fait, en fait euh, euh, graphiquement ouais. c'est un peu pareil. Hein. Donc euh, donc ouais c'est assez euh... c'est assez compliqué si vous êtes un peu euh, voilà si vous êtes un peu sensible comme moi mais euh, voilà à la fin ça valait vraiment le coup. Euh, et en fait, il y a des moments où, comme ça devient aussi un peu grotesque, très ouais. euh, voilà, ça te, ça te ça te calme un peu, tu vois, ça anesthésie un peu le, le, le mal. Euh, mais ouais, c'est vraiment sa ça, ça zéro subtilité. Enfin, c'est vraiment fait comme un, une fable, quoi. Donc c'est voilà, c'est vraiment sa euh, subtilité d'un semi remorque, mais qu ce que c'était qu'est-ce que c'était fun quoi c'était c'était vraiment fun et je pense que c'est une des séances dont je me rappellerai euh, le plus je pense euh, je pense cette année donc euh, donc voilà tant mieux je pense que ça ça, ça marche bien c'est en train vraiment de faire son, son petit effet ça sort demain mais comme euh, voilà c'était dispo euh, sur Mubi, en plus aux US. Ça euh, euh, a dispo euh, sur Mubi. Alors, c'était dispo sur Mubi sur le 31 octobre, mais ça ouais. a été balancé en VOD aussi euh, dans d'autres pays en fait. L'exploitation voilà. était donc, un en... peu hasardeuse, hein. c'était compliqué. Voilà. C'est vrai pour dire que plein de gens ont pu le voir avant la sortie française, ouais. euh, en très bonne qualité, euh, facilement. Ouais. Euh, mais voilà, demain il sort, en salle, euh, il sort en salle pour de vrai. Donc, il euh, y a eu des petites AVP aussi, du coup euh, bah, hum. justement pour Halloween euh, la semaine dernière, mais. Euh, mais si vous voulez, si ça vous intéresse et que vous hésitez, à moins d'être extrêmement sensible où la question se pose, c'est quand même une, c'est quand même une grosse reco. Je pense que ça laisse pas indifférent. Soit t'as vraiment détesté. Ah ouais, 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 non, clairement. Ça tranche, ça tranche dans le vif, quoi. Non, non, je pense que c'est, c'est un film qui est assez intéressant. Je pense en plus à voir en salle parce que c'est vraiment, c'est 2h30 c'est une expérience quasiment. C'est sensoriel, sensoriel, voilà, c'est ça, c'est super important. Euh, puis, bon, bah, la, la réalisation là, de, de Coralie Farja, c'est ouais, très 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 bonne réelle. Euh, J'avais je... pas vu Revenge encore, mais d'ailleurs, oh, je l'ai toujours cool. pas vu, je dois le voir après. Cool. Bah, en fait, pas mal. je suis pas très fan de la partie rape dans Rape and Revenge, je l'avais pas vu. C'est con. Et, euh, <laughs> ouais, ouais, ouais non, hein, non, mais bien sûr. Euh, bah oui. Et bon, du coup, je le regarderai quand même par curiosité pour voir un peu l'autre versant de, 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 de son œuvre. Mais c'est vrai que c'est marrant de se dire vraiment euh, le. Y a déjà sans en dire trop, une scène en... qui comporte de l'aligo dans le film, donc c'est vraiment la French touch. Ouais, et alors euh... oui, 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 oui. Est-ce que c'est est -ce est scè est une scène de bouffe pas... Non, c'est ça Je sais ouais, plus. Ouais, ouais c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Et euh, ça se passe à Los Angeles, mais ça a été tourné dans le sud de la France. Donc, euh, à Paris euh, et à, à côté de, dans la sur la côte d'Azur. Ouais, ouais. c'est ouais. ça qui est drôle. On voit, on voit les, les palmiers ne sont pas de Paris. Quoi. Ça, c est, c est, et puis, euh, excellente production <laughs> design qui est française, hein, quasiment. Hein, 85% du truc, c'est du français. Euh, les... Tout ce qui va être effet de prothèse et fluide, c'est géré par euh, Pierre Olivier Persson, qui mm -hmm. est un, un grand maquilleur en fait français, qui a bossé. Euh, <laughs> ce qui est assez drôle, c'est que sa carrière, moi, je l'avais résumé assez, parce qu'on a fait un bonus Patreon avec avec Marie, ouais. on a, voilà, pour dire qu'on a vraiment aimé le film. Euh, mais on détaille aussi le, le contexte de prod mais c'est lui qui a. C est, c est, euh, il a fait plein de choses, mais il a fait notamment, ce qui me fait rire, c'est que quand je vois The Substance c'est que je sais que c'est le même mec qui a fait la fatzoutte de Laurent Lafitte dans Tapis voilà moi ça ça met ah ouais. ça met de substance le dans un autre univers tu dit. vois <laughs> bah ouais non mais c'est ouais. ça qui est fou et c'est lui ouais. qui a fait le nez parce qu'il a aussi il a fait aussi le maquillage de enfin c'est lui qui a géré toutes les parties prothèses sur le film le comte de monte cristo aussi c'est lui qui a fait le gigantesque ah, le nez de, pif de, pierre ninet. de pierre ninet donc voilà tu ah dis ouais. que que margaret Qualley... En fait, elle a été maquillée comme Pierre Ninet, quasiment, tu vois. Tu te dis c'est magnifique, <laughs> c'est splendide. Non, les, non, mais tu te dis les voilà. Unces, les uns de Margaret quoi, d'ailleurs. Oui, parce que c'était prothèse. Ouais, c'est pas les siens, ouais. c'est une prothèse. Ouais, ouais. ça qui est, c'est hein, voilà, drôle. Ça y avant d'aller voir le film. C'est pas sa, sa vraie poitrine, c'est. Ah bah là tu as cassé, as cassé un mythe, t'as cassé un mythe. T'as cassé la magie, j'espère. Ah t'as cassé la magie. Ah, <laughs> ah, moi je voulais voir Margaret. Vais, moi j'y vais, ouais. vais pas. Ouais, ouais, c'est bon, bon Je nul ai... Pour le coup, pour le coup euh, quand, le, quand ce sera un peu... Enfin, euh, quand déjà beaucoup plus de gens l'auront vu, quand il sera senti euh, c'est vrai qu'il y a quand même une réflexion à avoir et à faire sur le male gaze, le female gaze et sur... Voilà, enfin là en ayant enchaîné en fait Anora... Oui. Euh, qui donc du coup dont don, l'héroïne est enfin euh, une go, -go danseuse, travailleuse dan du danseuse exotique euh, comme on dit. Euh, Quand on enchaîne ça avec le, le, voilà l'œil de Sean Baker euh, là-dessus justement où il y a un shift dans le film sans, sans en dire trop. Euh, quand on enchaîne ça avec euh, voilà, avec les, les, les scènes ultra euh, sexualisées de d'aérobic. Euh, justement... Euh, Pump up. De, voilà. Deux de the substance. Il y a, y, a, y a quand même toute une discussion à avoir, euh, mais voilà. Je pense qu'il y a des choses intéressantes à dire euh, sur les deux et sur comment c'est... Puis euh, le, est le film est assez, universel. Il est assez universel pour que tout le monde trouve quelque chose, en plus. Euh, ouais, parce oui. qu'il y a aussi ouais. ce message sur l'exploitation du corps, en fait, de, de ce que t'en en fais, enfin, de dire de, de toujours de te, de, te, en fait, de te faire du mal pour, entre guillemets, correspondre aux idéaux, mais que ce soit là, et ça marche oui, autant euh, entre hommes ou femmes. Ah, la femme, fameuse euh, meilleure version de toi-même que tu vois partout sur les trucs de sport, c'est... Voilà, <laughs> ouais, c'est nice ouais, ouais, ouais. Ouais, ça. C'est ça, voilà. donc c'est super intéressant. Mais ouais, The Substance, euh, grand film, en tout cas. Euh, merci, Vesper, pour les, pour les rocos. Mathieu alors je vais déjà mettre un joli plus 1 sur Flo que j'ai vu, euh, vu aussi et que j'ai vraiment trouvé très bien. Je trouve qu'il manque juste un tout petit truc pour en faire vraiment un grand film. Euh, Peut-être un peu plus d'enjeu, mais techniquement c'est super beau. Je trouve ça magnifique. Euh, donc du coup je vais me rabattre sur autre chose. Euh, je vais vous parler de L'ombre rebelle, The Shadow Strays, qui est un film d'action qui est sorti sur Netflix de Timo Dajanto qui avait fait The Night Come For Us, que j'avais ah oui. plutôt apprécié, même si je trouvais qu'il allait un petit peu trop loin dans le grand guignol sur la fin, c'était un peu trop long, et euh, voilà, ça m'avait un petit peu sorti du truc. Là, je trouve qu'il nous donne un film beaucoup plus équilibré. Donc on est sur euh, un pur film d'action ultra-violent, ultra, euh, ultra violent, hardcore, euh, mais qui se maîtrise mieux que, je, que dans The Night Come For Us. Donc on suit euh, une super assassin qui décide de remettre tout en question euh, en voyant en fait, la, le destin tragique euh, d'une voisine qui se fait tuer euh, et donc elle va essayer de défendre en fait, son gamin, mais bon comme ça va tellement loin que tout le monde meurt un peu beaucoup dans ce film-là, sans vouloir en dire de trop. Et les combats sont hyper intéressants, sont hyper variés, ça, se, ça dépasse les deux heures, mais ça arrive vraiment à se renouveler assez régulièrement, et notamment une scène d'action dans un parking qui est hyper bien chorégraphiée, et qui euh, arrive à se renouveler euh, souvent parce qu'elle dure assez longtemps, on, on part vraiment vers du gunfight, ensuite du combat à main nue, ensuite avec des armes blanches, etc. Donc, euh, si vous êtes habitué à des. Bah, maintenant, on s'entend plein depuis, euh, depuis The Red, C'est un peu le haut du panier du, du revenge movie à base de coups de latte. Euh, et euh, l'actrice principale est, est vraiment super balèze. Euh, franchement, elle, elle s'en prend plein la gueule, mais euh, elle y va à fond. Je crois que c'est Aurora Ribeiro euh, qui ouais. a le rôle principal dedans. Et ouais pour moi c'est un peu le haut du panier de tout ce qu'on se tape dans ce genre là, il y en a vraiment plein qui sortent, qui essayent d'un petit peu de surfer depuis quelques années sur The Red, mais voilà, c'est dispo sur Netflix, donc c'est facile à voir. Techniquement c'est vraiment chouette, euh, même si voilà, des fois c'est pas vraiment le genre de film qui a un max de moyens, mais c'est souvent euh, contrebalancé par plein de bonnes idées de mise en scène et de, de chorégraphie. Donc euh, je, vous le, je vous le conseille. Super, tu peux rappeler le titre parce que du coup j'ai pas réussi à retenir le titre du film. Alors en français c'est L'ombre rebelle. L'ombre rebelle. Ouais, c'est ça parce que le, cool. titre, le titre en anglais j'ai du mal à le dire donc c'est pour ça que j'arrivais pas longtemps. Ouais ouais bah tu vois c'est bon Comme tu Daredevil de le... de... tu veux dire. Daredevil. Allez-y, Daredevil. Voilà. Vous avez vu Daredevil. Allez Manu, vas-y. Rotaroko. Bah écoute, j'aurais dû passer à Prévespère parce qu'il y avait une thématique qui se rejoignait un peu ah. euh, avec The ah, super Excuse-moi, on ne s'est pas concerté, putain <laughs> <Mais> non, <laughs> ben non, sur la, sur la pression, euh, la pression euh, sociale faite sur le corps des femmes, notamment. Euh, parce que j'ai passé euh, une bonne partie de ma semaine aux Utopias de la semaine dernière. Oui. Et ah. sur place, j'ai acheté euh, Sweet Harmony de Claire North, qui est une autrice de, de SF assez prolifique, euh, qui a fait euh, en roman euh, 84K... Taka, qui est une réinterprétation du mythe d'Ulysse, des choses comme ça. Euh, mais qui écrit sous trois noms, en fait. Elle s'appelle Catherine Webb, à la base, une romancière britannique, qui écrit sous son vrai nom euh, des romans pas de genre, et qui écrit de la SF en tant que Claire North, et de la fantasy en tant que Kate Griffiths. Ah ouais C'est euh, a Et qui sort aussi des, euh, des formats plus courts que du roman, qui est de la novella, qui sort beaucoup chez... Euh, chez le Bélial, dans la collection euh, Une heure lumière, c'est du 100, entre 100 et 150 pages en gros. Et Sweet Harmony, ça parle de, du personnage d'Harmonie qui euh, pète un plomb parce qu'elle a un bouton qui pousse. <laughs> et, euh, <laughs> et en fait, euh, derrière ça, on se rend compte qu'elle a un bouton qui pousse parce qu'elle euh, vit dans une, à une époque où euh, les fonctions corporelles sont globalement régulées et contrôlées par des nanites. Et que ces fameuses nanites sont, euh, sont euh, régies par des, par des packages, en gros, que tu payes euh, auprès d'un fournisseur de santé. Et du coup, tu as un certain nombre de packages qui vont réguler tes fonctions du corps. Et comme elle a plus de thunes, eh ben, elle perd un certain nombre de packages. Et ce qui fait qu'elle va, elle va récupérer des boutons et son corps va, va refaire euh, des choses qu'elle ne veut pas faire. Quoi. Et euh, sachant que les nanites peuvent contrôler le fait que, par exemple, elle n'a pas besoin de se brosser les dents normalement parce qu'il y a un package pour ça. Et y a pas... Enfin, toutes les fonctions corporelles, la, la perte des cheveux, tout, euh, tout est réglé par des nanites. Quoi. Donc euh, assez rapidement, on se rend compte bah, que bah, les riches, du coup, ont pas trop de problèmes ouais. et qu'il y, a... y a bien sûr une... un commentaire sur la... sur la lutte des classes à travers ça, notamment, mais aussi sur la, la pression qui est faite sur les femmes, notamment parce que on se rend... quand on on fait des allers-retours entre le présent, ce qui arrive à l'instant T et, et le passé. On se rend compte que, notamment, euh, à la base, elle avait un package de base de régulation de la santé et que euh, c'est au moment de son premier rapport sexuel euh, à la fac que, euh, au moment où elle a demandé à son mec s'il si, euh, avait une capote, euh, il a été surpris et elle s'est rendu compte qu'en fait, il s'attendait à ce que ça soit régulé par un de ses packages et qu'il n'avait pas besoin de se poser la question. Quoi. Donc il y a la... cette problématique de la fameuse charge mentale qui est posée sur les oui. femmes euh, dans la régulation de ce genre de choses. Euh, c'est très, euh, très satirique, c'est très acerbe pour l'instant. Je mets un trigger warning si vous avez euh, un problème justement avec la description de choses qui peuvent arriver au corps. Parce que mmh. du coup, ça va, ça va décrire les angoisses d'harmonie de, euh, bah de comment le corps euh, il évolue, comment il devient dégueulasse, comment euh, les boutons se forment et des choses comme ça. Donc il y a des descriptions assez, euh, assez intenses euh, que, on, que tout le monde n'iront pas lire. Je ne l'ai pas encore fini, ça fait 150 pages, mais j'ai commencé hier. Euh, mais en tout cas, une très bonne, une très bonne lecture pour l'instant et euh, qui, je pense, accompagnera The Substance euh, assez oui. facilement. Voilà, tu peux ouais, rappeler ça. le nom, s'il te plaît Je ouais, me souviens tout de suite. Sweet Harmony. Sweet, Sweet Harmony. Harmony. Et Harmony ouais. comme euh, Harmony au, euh, en anglais. Quoi. Super, merci beaucoup. Ah, Harmony. 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 Voilà. Euh, moi de mon côté, alors j'ai une reco mais je peux pas, pas la présenter. Mais par contre, j'ai un autre truc. Euh, C'était euh, par rapport au. Ça y est, je vais enfin présenter des films au paténantes Nantes. Oh là là ouais. Bravo Ouais, moi je voulais présenter des, des films incroyables et finalement on file les Godzilla, mais bon, c'est pas grave. On va faire avec, hein, on va faire avec, on va faire avec. Donc je présente le samedi 23 novembre à partir de 17h30 avec Fabien Moreau, donc le grand spécialiste des cailloux. Le goût, le, le meilleur d'entre nous. Euh, donc le samedi il 23 était pas là 3. pour l'expo Godzilla des utopiales, c'est scandaleux. oui, ah, oui, oui. Ah, il avait ouais, pas encore non, un autre. Non, euh, soit, ah, soit on l'a pas invité, les on l'a pas invité en les fait. Les ah ouais, 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 ouais. Bah, si c'est pas Fabien Moreau, forcément c'est de la merde, moi bon, j'ai envie de vous dire. Bref, euh, non non donc je, je présente avec lui Godzilla 2014 donc de Gareth Edwards à partir de 17h30 et puis ensuite. Oui, tu as présenter un bon film, c'est dommage. Bah, c'est con hein. Et Godzilla, ah, ah. Godzilla minus one minus color donc c'est la version ah, ouais, noire et de Godzilla du dernier, euh, réalisé par Takashi Yamazaki, euh, on va le présenter aussi également donc ce sera une double futures à partir de 17h30 samedi. 23 euh, novembre, donc au Pâté-Nantes, euh, voilà, pas, pas ah Atlantis, pas celui à côté d'Atlantis, du centre commercial consommation, non, celui en plein centre Nantes, en plein centre Nantais, donc voilà. Euh, ah, parce après après, celui où on était allé... Euh, pour Story 2 Story non, de... non, ouais. non, 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 non c'est celui ah. qui est vraiment au centre-ville, euh, à côté okay. d'un café formidable. Euh... Avant, c'était simple, c'était le voilà. Pâté-le-Gaumont, et, et maintenant, bah, non c'est le Pâté... pâté, euh... pâté ah, ouais, ouais, J'ai voilà, précisé, là. quoi. Ouais. L'ancien voilà, bah, Gaumont, on va dire, quoi. Près de la Micaline, du coup. De la micaline, bien entendu, bah, on, on pourra se il est plus micaline. Bah <laughs> ouais. oui, oui, parce que celui d'Atlantis il n'y a pas de micaline. Il y a un Starbucks à côté, ah, mais oui, il n'y a oui. pas de micaline, malheureusement. Ouais. Euh, mais là, là, voilà, si vous voulez vous péter, il n'y a pas de problème, il y a la micaline à côté. Euh, donc voilà, et puis après, non, Roco, euh, non, bah, Rocco, non euh, voilà, je, je suis charrette, je mets, euh, bah, mets l'option charrette. Mais c'est Roco. Est-ce que tu recos Dragon's Edge Attends, on me dit un message, on me dit un message à la régie Quoi hein. Ah oui, putain, oui, c'est vrai. Ah, bah, oui, 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 faut que je fasse la communication aussi. Euh, et effectivement aussi euh, le début de la fin. Euh, alors c'est Marie et, et, et Alizé qui ont sorti quatre épisodes au total, ouais en deux jours, donc il était tout, ah ouais. hein, tout tout le travail <laughs> de Mac euh, de Mac voilà pour Halloween c'était pour euh, tout le travail voilà tout le travail de, de Mike Flanagan sur sur Netflix donc euh, les hunting, euh, la chute de la maison Usher, Mass. et Midnight Mass bien sûr euh, la grande leçon de philo en dix épisodes mais qui est incroyable euh, voilà donc tout ça est disponible sur sur le début de la fin donc analysé par analysé Midnight Mass Hein c'est 7, oui, c pardon, c'est 7. 7. 7. Oui, oui, c'est oui, oui. 7. 7. Mais voilà, c'est... Euh... Mais Midnight Mass, ça fait pas peur et c'est vachement bien. Donc euh, vraiment... Non non, 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 devant. non, 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 mais non, la vie, je regarde ça. mais bien sûr. Ah non, mais y... c'est hyper bien, Melissa. C'est hyper et... bien. Moi, je là, tu... suis comme toi. Je suis comme toi sur ce faire genre de film. Non, non, c'est très bien. Attends, t'as affronté de substance, Midnight Man. C'est euh, bon, Melissa. Vas-y, les yeux de. Non, 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 bon, euh, Mélissa, ouais, euh, non, 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 non. J'ai entendu. Vas-y, mais enlève tes mains. J'ai entendu en parler. J'ai entendu Marvin en parler. J'ai entendu Aliza en parler. Mais C'est pas de l'eau en parler. En fait, tout le tout le truc, c'est dans bon, ouais. euh, euh, les dialogues quasiment. Ah oui, c'est vrai, la mise en scène. Mais au niveau, au niveau. C'est plus déprimant que glaçant. C'est déprimant. Ouais, ouais, par contre, ouais, c'est euh, déprimant. déprimant. je peux sortir, mais... Alors, euh, t'as rien vu de Flanagan parce qu'il a un truc avec les chats. Non. Il y a au moins deux séries où il y a des chats qui se font zaille. Oui. Euh, ah ouais. C'est le cas dans Midnight Mass. Il y a, ah bah, ouais. Massivement en plus. Parce que... Ah moi c'est les chiens, les <laughs> chats. Bon, je peux. Non, je plaisante. Oh, mais, euh... mais sinon ça va. Hein. Franchement. Euh... <laughs> ouais, ouais. Je sais pas. Je sais pas. Ah peut-être, peut-être un jour je me serais tenté mais là quand même je. Ouais, de tout, de tous les retours que j'ai eu, je pense que c'est pas pour moi, mais. Oh là là, rate la série de sa vie, putain. Je pense que t'as tort. Ouais, 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 je pense que j'ai tort aussi, mais je me présente. Après, il y a les imbéciles qui changent pas d'avis. Voilà, de substance, j'ai fini par y aller. Peut-être qu'un jour tu nous feras la Rocco. Ça arrivera peut-être un jour. Dans 4 ans. Voilà, elle se donne 4 ans. Mathe ça à Pâques, tu verras. Moi j'ai maté à Pâques Midnight Mass. Ah oui, il y a un petit peu. Il c'est le hasard et il s'avère qu'il y a une thématique vis-à-vis de Ok, ok, bon on verra alors. <laughs> on verra à pack du coup. Allez, on va pouvoir clôturer l'émission. Oui. Merci Vesper, merci Mathieu, merci Manu et merci à tous nos éditeurs d'avoir écouté jusqu'au bout vous. et à tous les viewers sur Twitch. Merci euh, euh, ne bougez pas, restez avec merci. nous parce que on, on vous enverra sur une chaîne, euh, celle de Dave, Dave Check, justement Exactement. qui fait le direct, qui fait le. J'irai le, le direct live des élections américaines donc je, je, je vous renverrai sur cette sur cette chaîne directement en red euh, soutenez-nous sur Patreon effectivement soutenez-nous sur Patreon c'est ce qui nous permet de survivre vraiment on vit qu'avec le Patreon vous savez <laughs> ouais. nous avons pas beaucoup d'argent euh, voilà donc soutenez-nous sur Patreon forfait 3 euros vrai. chez les Prime euh, pour avoir l'épisode en avance sans coupure et sans pub le forfait à 5 euros chez List Plus d'avoir donc les épisodes en avance plus les contenus exclusifs, donc ça peut être euh, les tier lists, les épisodes exclusifs qu'on a sortis, donc les critiques de films à chaud, euh, les reacts aussi qu'on peut faire, euh, notamment le react sur le making of euh, du, du pacte des loups. Euh, on remercie euh, notre enfin, Hall of ça, Fame. Oui, Il voilà, n'y a que Shitlist pour le faire. Hein, Bien sûr, bah oui, oui, c'est absolument. Le making of du pacte des loups et, et Daredevil la semaine d'après. Voilà, ben, le grand écart est là. Pourquoi vous donnez pas tous de l'argent alors qu'il y a déjà la moitié de l'équipe qui a regardé la Director's Cut de Daredevil Il ouais. ben, y a quand même un sens du sacrifice. Hein. C'est clair. Le sacrifice 2h20. Ultime. SVP. SVP, il y en a c'est Si vous voulez <laughs> vous taper des, des pubs de la matmut pendant l'écoute de votre podcast, ouais. coupez en milieu d'une phrase. allez-y. Bah allez-y. <laughs> allez Faites ce que vous voulez. Et nous, nous c'est un conseil payer pour avoir l'épisode. C'est pas talent, Mathieu. Il sera très utile. Oui, oui, c'est vachement. D'ailleurs, d'ailleurs, les gens ont du péter un plomb déjà d'avoir des pubs de la mettre et En plus, toi, tu te mets à imiter, non C'est. Je pense que là, au bout d'un moment, c'est. Il y avoir un rachat Non, mais voilà. Je pense qu'on mérite. Je pense qu'on mérite des sous. Oui, oui, oui. Ça, vraiment, en toute objectivité. Je pense qu'on mérite des sous. Parce que c'est pas avec les pubs d'Acast qu'on va devenir riche. Moi, C'est moi qui vous le dis. Euh... Ah, non, non, non. non, ni de YouTube d'ailleurs. Euh... On remercie le Hall of Fame, bien entendu, ceux qui ont payé 10 euros, qui ont eu Merci. le sticker, c'est tout, tout le contenu. Merci beaucoup. Euh, Seb Natch, l'anonyme du Hall of Fame, Will Stitch, Jérémy Courtemanche, Jonathan Cassès, Aurel Burr, The Keeper, Austin Blue, David Introligator et Igandi. Euh, Retrouvez-nous la semaine prochaine. J'ai déjà oublié le film, mais je crois que si, en fait, c'est 300 qu'on fait si. la semaine prochaine. Oui. C'est ça, ouais. ouais on 300, on hein. ça fait beaucoup de Miller en, en un mois. Ouais, beaucoup de Zack Snyder sur notre run aussi. Hein. C'est ce qu'il qu y a une Director's euh... Cut de 300 ou pas Euh. Ouais, ah, j'ai un doute. J'ai un doute. J'ai un doute. Enfin, pas... ouais, j'ai doute. Doute. Il me semble qu'il y a une édition spéciale. Un truc. Hein. Il doit y avoir un truc. Je, je crois qu'il y a un truc. C'est ça, euh... que tu es obligé de la, de la mater. Plus du 8 sur le torse. Parce ah que j'ai maté la Director's Cut de Sin City ah et la Director's Cut de Daredevil, je suis obligé de faire le hat trick c'est ouais, ouais. 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 terrible c'est terrible ah mais euh... oui c'est Sin City que j'ai maté director's Scott aussi oui. donc Sin City oui, oui. et le pacte et les gens payent pas ouais, et les gens payent pas pour le sacrifice c'est mieux mais Sin City quand même quoi putain fait de chier quand même euh, shitlistpodcast.com pour le SAV rejoignez-nous sur Twitter Blue Sky, Instagram TikTok et sur notre Discord notre chaîne Twitch bien sûr pour, pour dire réagir directement avec nous euh, Youtube aussi pour, le, pour la VOD 5 étoiles sur Apple Podcast bien entendu Podcast Addict ou même Spotify oui. vous pouvez laisser des commentaires sur Spotify c'est magnifique maintenant vous pouvez interagir entre vous quand vous laissez des commentaires c'est à dire vous pouvez vous engueuler oui. sur Spotify moi je modère Généralement, je mets oui, bon, c'est bon, ça passe. Ce commentaire est incroyable. Même s'il insultait l'autre, <laughs> je suis pas gravement fou, c'est pas moi. Euh, voilà. Donc, modération. Euh, belle modération, de modération, euh, très, 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 euh, voilà, très, très choisi. Voilà, très, très orienté, on va dire. Euh, et donc on vous dit à la semaine prochaine. Allez, salut à tous et restez salut. connectés salut. pour être sur la chaîne de Delcheque. Bonne soirée. Salut. Salut. Au revoir Marie Christine. <laughs> Ah ça va être... Attendez, on est encore en live 3 2 1 Ah ouais, attends, laisse. On, mis, arrête on peut maintenant. Dire de la maintenant. Non, pas encore. <laughs> c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, bon, vous pouvez. Ah super, ah, c'est bon. Hop. Ah attends. Euh, ah, direction voilà. le live ok j'avais pas vu que ah, ouais, ouais être... on est direct sur le live, on peut même react je crois directement ah. sur le live. Je pense ah. que c'est pas fini de notre côté. Ah. Euh, faut juste que je récupère la console. Hop et voilà. Je ne veux pas l'écouter alors parce qu'on l'a pas acheté, c'est que l'autre côté. Du coup, maintenant que j'ai rencontré...